Allez, on va s'installer tout doucement. On va y aller doucement. Allez, on va doucement. Salut Cobix, comment tu vas T'es le premier, GG. Je vais prendre 2-3 minutes, je fais deux trois petits deux trois petits réglages et je suis à vous tout de suite. Salut Dragonov, la forme on va lancer le live. Hop, déjà ça. Tac. Ici. Hop. Toc. Allez, on revient en direct. Ça va les gars La forme Prêt à avoir du last day Bon, au niveau de l'image, a priori, on n'est pas trop mal. Au niveau du son, je pense qu'on est bien aussi. Euh... Je regarde la qualité. On peut la mettre en HD. Impeccable. 1080. Eh bien, ma foi, super. Alors, quoi de neuf Ça farme un peu c'est tranquillou en ce moment, c'est plutôt paisible. On attend des mages. Hein. On attend clairement des mages. Je vais remettre la cam. Yo. Bon, euh, la base déjà. On va aller se préparer pour se faire ce petit bunker B là, puisqu'il y a qui a pop. Euh, faut des m16. Il va falloir de la m16. Salut Alpha. La forme donc, on va aller voir si tout est modé. J'avais déjà commencé à préparer le truc, mais bon. Euh... Ouais, alors j'ai pris pas mal de M16. Euh, je pense que j'en ai même déjà un peu trop, mais bon. On va prendre du Glock aussi, parce que de toute façon, le Bunker B, voilà, il n'y a pas forcément besoin non plus, avec les events aujourd'hui, d'énormément de stuff. J'ai un bout de tenue, je vais prendre quand même de l'eau. Voilà. Pour le reste, pour l'instant, ça va aller. Ici, je vais prendre du soin. Moi, je le farm pour le T4. Le, le bunker B Où tu farmes de manière générale pour le T4. Salut, Jonathan. Avec plaisir. Merci à toi d'être là. La forme On va prendre du soin encore là. On va prendre ça. Allez, on va se mettre sécure. <laughs> toc, toc, toc. Le pipi, la fin, fin. Comment on est bon, On est pas mal. Hein. On est bien. On va prendre quelques glocks du coup. Je vais, laisser les, euh, je vais laisser quand même quelques AK. J'ai pas besoin de prendre tout ça. Et je vais prendre des Glocks. Qu'on va moder un peu. Salut Gabriel. Toujours pas de route chopper. Non, mais sérieux. T'es sérieux là Top top. Toujours un plaisir. Bon. Ah, de manière générale, Kobix, ouais, d'accord. Ouais, tu fermes le T4, bah, tu vois, t'en es à peu près au même point que moi. Alors, depuis la dernière fois, depuis la dernière vidéo là, qui a été postée avant-hier, j'ai pas avancé, hein, évidemment, j'ai pas fait... Euh, j'ai toujours mes 12 petites plaques ici, j'ai toujours des barres d'acier ici. Euh, je continue, voilà, à en faire là, <laughs> clairement. Bon, là, j'avais une quête, d'ailleurs, de pilleurs Il va falloir que je les ramasse, ces plaques, elles ne servent à rien, ici. Salut, V12 on va, les mettre, euh, je sais pas, on va les mettre là. Pourtant, j'avais rangé. Hein, C'était propre. Hein. C'était très propre. Et mes pièces de tourelle. Est-ce que ça en a donné un petit peu Il me restait 4 pièces. Ouais, non. J'ai eu aucune, euh, aucune barre d'acier sur 4 pièces de tourelle. Mais c'est pas grave. Je dois en avoir encore ici. Voilà. Je les remets hop, au recycleur. Là. Et puis, bah, comme ça, ça va être tout bon. On va pouvoir y aller. Je vais voir s'il y a le guérisseur aussi. Putain, ce serait bien qu'il soit là, lui. Pour avoir un petit bonus d'armes à feu. Ça m'arrangerait. Il hein. n'y a pas le guérisseur. Bon, alors je vais peut-être devoir passer à la colonie d'abord. Salut, je suis content, je voulais le faire, mais j'ai un peu peur de. Si tu as des astuces pour un débutant pour le Bunker B. Eh ben écoute, tu vas voir ça tout de suite. Euh, alors, au niveau du Bunker B en soi, je ne suis pas débutant, évidemment. Ça fait depuis le début du jeu, enfin, depuis que le Bunker B en tout cas est apparu, que, que j'y vais. Euh très régulièrement, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais quand même, je l'ai fait euh, énormément, je le connais presque par cœur. Euh, et là, sur cette nouvelle partie, en fait, j'ai des modes d'armes, tu vois, qui ont des plans très communs. Voilà, j'ai deux plans communs sur la M16. Alors là, j'ai des plans rares sur la AK que j'ai réussi à avoir, c'est une partie qui est en free to play, hein, donc je ne sais pas si tu es euh, au fait de, de, de cette seconde partie que j'ai là. J'ai ouvert une seconde partie en free to play que je suis en train de, de, de faire, quoi tout simplement. Et donc, je pense que ça va te donner un bon avis. Euh, voilà, cette partie-là, ça fait 5-6 mois que je l'ai commencée. Donc, ça va te donner une bonne idée de ce qu'on peut faire au Bunker B. Mais après, voilà, il y a quand même du gameplay. Je vais récupérer mon, mon truc au quotidien. Il y a quand même du gameplay, une certaine mécanique, si tu veux, à comprendre au Bunker B. Et c'est vrai que bah, si tu n'es pas habitué au début, malheureusement, il va falloir t'attendre à fail. Et ça, c'est normal, on a tous fail au début sur le bunker B. On est tous malheureusement passés par là. Et donc, on a tous perdu des armes. Le temps de, le temps de comprendre, on va dire, le, le système, euh, ouais, au début, c'est un petit peu compliqué. Salut Arnaud. C'est obligé les modes d'armes Oui, je te connais depuis un mois, tes vidéos m'aident beaucoup. Bah écoute, avec plaisir. Euh, et merci à toi, en tout cas. Et c'est obligé les modes d'armes Ouais, c'est pas obligé, mais c'est quand même vivement conseillé, quoi. Clairement. T'as un sac sur le jeu Est-ce que j'ai un sac Tu veux dire personnalisé, euh, comme certains youtubers ont eu Non, j'ai malheureusement, j'étais pas partenaire à l'époque où ils l'ont sorti, et donc du coup, je n'ai, pas de sac personnalisé. <laughs> Franchement, j'aimerais bien. En plus, ça me ferait vraiment plaisir, mais non, ils, ils, ils sont plus du tout dans cette, euh, dans cette optique-là. il l'avait fait au tout début pour les gros, 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 gros youtubers. Attention, hein, c'était euh, les gros Américains. Euh, il y avait eu Yojimbo aussi qui l'avait, euh, qui l'avait eu son sac à dos dans le jeu, mais non. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Allez, j'espère que le guérisseur a pop. Ce serait pas mal. Ce serait quand même bien. Alors déjà qu'il est pop et puis qu'il me propose ensuite le, le bonus des armes à feu, quoi. C'est ça, surtout, moi, ce qui m'intéresse. Il y a le guérisseur, c'est déjà une bonne chose. Et il y a le bonus des armes à feu. Allez, je vous passe la petite pub. C'est gratos, c'est cadeau. <laughs> Salut à toi, je me suis remis à l'Asday et c'est un plaisir de voir tes vidéos. Merci beaucoup, euh, Wuzawa, j'espère que j'ai bien prononcé, Wuzawa. Tu me le dis hein, si je l'ai mal prononcé, je m'en excuse. Et pourtant, le seul moyen de Petit bunker B. Ouais. Bah, le bunker B c'est pareil, la dernière fois que j'ai mis les pieds, bon, alors c'était pour faire le terminal, là, justement des verrous. Hein euh, je vais activer que deux terminaux, enfin que je vais activer deux terminaux et sur les deux terminaux il y aura au moins le terminal des verrous, voilà que j'ai pu finir récemment grâce au plomb notamment. Et ensuite sur l'autre terminal, Je bah, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Est-ce que je vais mettre le terminal des tourelles ou celui des patrouilles J'hésite, je sais pas trop. Je sais pas trop. Euh, tu sais, si c'est vrai qu'on peut obtenir des chiens à l'usine, ouais, c'est totalement vrai. On peut en avoir, effectivement, ça pop de manière aléatoire. Mais on peut en avoir, ouais, absolument. Shift Almighty. Je connais absolument pas. Vas-y, donne-moi la récompense. Parfait. Allez, on a une heure pour aller faire ce bunker B. Je vais prendre quelques Glock. Et puis, bah, on, y, on y va, hein. On y va. Alors, il euh, n'y en a pas ici, devrait y en avoir, oh, super, ok, ils sont tous pétés là, les glocks, oh, Scraty, comment tu vas, petit coucou, ben oui, bonne année à toi aussi, meilleur vœu, la forme, salut Vincent, mais celui des patrouilles, allez si tu veux, Comics. ça va Vincent On va prendre ce bloc. Et puis, et puis, et puis... Et puis celui-là quoi. Voilà. Je reste pas longtemps, mais je t'ai vu en live, donc je suis passé faire un coucou. Bah, C'est très gentil en tout cas. Merci à toi. Scratty qui propose régulièrement des streams. Hein. Allez voir sa chaîne également sur, euh, sur YouTube, mais peut-être plus sur Twitch quand même. Mais il fait pas du Last Day, il fait d'autres jeux. Euh, euh, plus sur PC aussi, hein, j'ai l'impression, tu, si tu me le dis hein, si je dis de la connerie, à Scraty, mais t'es plus sur, euh, sur PC. Ouah, ce jeu, il date... Ça fait un an que j'ai pas touché. Ah bah ouais, tu m'étonnes, Nalo. Le jeu, il a 7, il a 7 ans, on n'est pas loin des 8 ans même, hein, maintenant. Mine de rien, il va avoir 8 ans au mois de mai, le jeu, quand même. Hein. Salut Abdel, la forme 8 ans, dingue. Ouais, vas-y, je prends 2 Glock mais bon, on pourra en prendre plus, hein. Je pas prendre ça là, là, comme ça. Euh, Glock, il est là. Alors, tu vois, au niveau des. Je ne sais plus qui me demandait au niveau des modes d'armes. Tout à l'heure, c'est pareil. Le Glock, aujourd'hui, euh, mon Glock, il n'est pas fifou, quoi. J'ai deux modes d'armes, j'ai ça et ça. Voilà. Donc, ça me permet d'avoir un peu plus de DPS. Euh, ça me permet de gagner aussi, en termes de stabilité. Alors, le Glock, on ne parle pas de stabilité pour le Glock, mais pour les autres armes, notamment la M16 et la AK, c'est clairement la stabilité qu'il faut, qu faut privilégier. Salut, bro Salut, Floki ça va bien, merci. Impeccable. 7 ans et toujours pas de nouvelles sur l'hélico. Ouais, carrément. Ça marche, Scraty. Passe une bonne soirée. Merci d'être venu. Ça fait plaisir. À la prochaine. Tout le monde va bien. Bon ben bah, nickel. nickel. Moi je sors d'une crève. Alors je sors, je suis en train de sortir d'une crève, donc vous risquez de m'entendre encore renifler un peu. Voire même pourquoi pas tousser. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Bonne crève, là. J'ai fait la fontaine pendant... <laughs> Pendant pas mal de. pas mal de jours quand même. <laughs> non, absolument pas Vincent, je le ferai pas. <laughs> Parce que déjà, c'est interdit, puis quand bien même j'ai déjà à peine le temps moi de jouer sur ma partie, donc tu comprends bien que je ne pourrais pas le faire. Merci Abdel, merci. Allez, let's go. Bunker B. Donc je l'avais déjà ouvert hein, l'autre jour. Courir. Bon, j'ai une tenue qui est euh, putain, ouais, un tiers de vie. Je dois en avoir d'autres sur place. Donc, ça devrait aller. On va commencer avec les glocks. Bon, dommage. <laughs> oui. Salut mon Polo. Comment tu vas Fait plaisir de te voir. Ce matin, j'ai fait le Bunker B. Ça m'a fait pas mal de ressources à la fin. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Là, le but, ça va être d'aller utiliser le terminal des verrous. Tu vas voir ce terminal, en fait, au, fin... au final, hein, je parle. Alors, je ne parle pas de toutes les, euh, de toutes les ressources qu'on obtient sur les derniers coffres, mais le terminal des verrous me permet d'obtenir des fibres, puisque c'est les fibres qu'on a avec le SS2. Euh, ça me permet d'obtenir des batteries au SS3 et une bonbonne en plus au SS4. Et donc, au final... Quand on fait le calcul, hormis toutes les autres ressources, encore une fois, l'acier, etc., qu'on va trouver dans les coffres à la fin, hormis ça, bah, ça va me permettre de faire deux fois moins de bunker B. Quoi. Et donc, event de calendrier plus euh, terminal des verrous, euh, clairement, je vais avoir le matos euh, à part les transmissions, je vais avoir le matos pour, le, pour la TV, en euh, bon, deux fois moins de temps, du coup, que, que ce que ça pourrait demander. quoi. Salut Rafa, L, <laughs> Rafa, L. Salut Golden. Heureusement, tu fais le bunker b. Je comptais le faire aussi, mais à contrario, ce sera mon premier et ça me guidera. Ouais, bah écoute, regarde bien. Mais après, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça ne devait pas être à toi, euh, Zesmi, euh, que je le disais. Les premières fois, de toute façon, même quand on regarde jouer, c'est bien de regarder jouer. Évidemment, ça donne une idée de, du lieu, etc. Mais c'est pas vous qui jouez. Et clairement, les premières fois, attends-toi. Si tu arrives, tant mieux. Et GG à toi, mais attends-toi quand même à fail, hein, clairement. Il me manque 13 niveaux pour avoir les pilleurs. C'est long, j'avais repris grâce à toi. Et ça fait déjà deux semaines que j'aurais repris. Eh ben, GG GG Il me manque 13 niveaux pour avoir les pilleurs. Ouais, donc t'es 137. Bon, ça va, t'en es pas très loin. J'ai même pas fait le labo. À ça, le labo, par contre, va falloir y aller, les gars. Hein, un de ces quatre. Hein. Le labo, il euh, y a une zone aujourd'hui qui est quand même vachement intéressante à ouvrir c'est la plateforme. Et la plateforme, pour pouvoir y accéder, il faut avoir le drone. Et le drone, pour pouvoir l'avoir, il faut non seulement avancer dans la colonie dans un premier temps, pour qu'on puisse débloquer évidemment le plan du drone, mais dans un deuxième temps, il faut donc aller au laboratoire, puisque c'est là qu'on va trouver les contrôleurs. Donc, il euh, faut y penser à ce labo quand même, hein, malgré tout. Mais je ne suis pas forcément. J'adore le laboratoire, je l'ai pensé à l'époque où il était sorti sur la partie principale, je l'avais pensé. Maintenant, sur la partie secondaire, aujourd'hui, j'y vais beaucoup, beaucoup moins. Mais euh, j'y ai été, euh, il a fallu que j'y aille quand même, quand il a fallu euh, chercher le... aller chercher ce drone, quoi. Allez, on commence par le SS2. Salut Kingspipa, comment tu vas Moi, j'ai que une transmission pour la TV. Ouais, j'en ai que deux, moi, pour l'instant, hein, Covix. J'en ai que deux. Une que j'ai eue sur euh, les livraisons du port, et la seconde que j'ai eue grâce à l'événement de Noël, là, qui est sorti il y a, il y a un mois, à peu près comme pour le bunker à l'étage 3 avec les grenades, je pensais que c'était super simple, mais c'est très dur et je suis mort plein de fois. Ouais, alors avec les vents, ça va être quand même vachement parce qu'on a quand même vachement de d'avantage, on va refaire un point là-dessus d'ailleurs, c'est où N'importe quoi, c'est là. Toc événement il voilà. euh, y a l'avantage au niveau des armes, donc les M16 qui font 25% de dégâts en plus, la santé surtout réduite de 50% sur les zombies, donc rien que ça déjà franchement euh, voilà. Et la radiation évidemment qui elle est diminuée aussi de moitié. Donc euh, donc 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 euh, donc c'est ça aide quand même beaucoup et c'est ce qui permet aujourd'hui de pouvoir faire malgré tout ce bunker B avec un minimum de stuff. Je suis juste en train de me demander là je vais avoir les tourelles, est-ce que ma tenue va survivre à tout? J'espère, ce serait dommage de fail ici, mais bon, allez, c'est pas grave. On est là pour le fun, hein, de toute façon. On n'est pas là euh, pour concourir à quoi que ce soit, à la plus belle prestation, on s'en fiche. Désactiver donc. Euh, tu m'as dit, j'enlève la patrouille, donc je garde les tourelles. Hein. Faut faire ce satané labo, ouais, clairement. Ouais, ça va bien, King. Merci, impeccable. C'est ça, hein, j'enlève la tourelle comme ça là, le, la patrouille. Oui. OK, ça marche. Et donc on garde les tourelles, donc je vais me prendre les tourelles dans la tronche. Bien. Et ben bah c'est parti. Si j'active pas le truc, ça va pas le faire. Allez, alors je vous quitte des yeux un petit moment, je suis désolé, je répondrai après le SS2. Hop, on y va. Donc déjà le brûleur d'acide, il est fait, le dardeur, il est réglé. On poursuit. Là, je me fais une première tourelle. Ok, je me mets vers le haut quand même pour pas euh, attirer l'autre tourelle, je veux dire. Donc ça, c'est bon. Soldat d'assaut, il est ok. Les trois parasites, c'est ok. Et j'ai le zombie d'émeute derrière. Il a son bouclier, évidemment. Évidemment. Tac. Mais ouais. Donc là, je vais rester vers le haut, comme ça, je ne vais pas me faire toucher par la tourelle du bas. Euh... Non, il veut absolument la... Ta... Ah voilà. J'arrive pas à la toucher. Mais non, pas celle-ci. Celle-ci. Il veut pas. Hein. Ah, ok. Hop. Hop. J'ai attiré les deux là. Ouais. Bon, bah allez, je trace. Oui, 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 je sais. Voilà. C'est bon. Hurleur, on se les fait. Soldat d'assaut, on se les fait. Toc. Tac. Et tac. Impeccable. Ah, j'ai oublié de mettre le sprint. Et puis le mode auto aussi. N'importe quoi. J'y suis allé comme un bœuf. <laughs> Allez. Donc là, je prends la M16 pour le crasher, par contre, parce que le vomisseur. Voilà, j'ai pas envie de risquer de me prendre du vomi. Je vais activer du coup le, le mode auto et le sprint. Voilà, comme ça, c'est fait. J'y penserai plus. Zombie explosif, il explose. Zombie explosif, bah pareil, hein, mon gars, comme les copains. Zombie d'émeute, on l'a fait. Toc. Et là, on a quoi après Encore un zombie explosif. Impeccable. On n'oublie pas les petits parasites parce qu'eux, ils font mal. Voilà, il y en a 6. Et on continue. Tac. Badaboum. Il me reste encore un peu d'armes. Ok. Hop, et d'un. Et ça, c'est bon. On poursuit. Donc là, la patrouille, je l'ai fermée, du coup, je vais pas la voir. Hop. Et hop, deux vomisseurs. Ici, un dardeur, il est mort. Ici, Dardeur, il est mort. Zombie démeute, il a mis le bouclier. Génial. On va se mettre comme ça. Voilà. Allez. J'ai pas envie d'activer la porte maintenant. Voilà. Tac. Terminal, donc là on est dans la salle du boss. Alors attendez, je vais me mettre un peu de soin quand même. La tenue elle a l'air de tenir pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. <laughs> Hop. Tac. Et tac, parfait. Et là on se met en mode auto. Et il n'y a plus qu'à. Il y a plus qu'à attendre et espérer que la tenue ne tienne bon. Ouais, ça devrait le faire. Normalement, ça devrait être bon. Et badaboum, mais ouais, il est mouru. Alors, euh, quitte ça pas, Kobix. Pourquoi tu n'enlèves pas les tourelles également En fait, j'ai activé que deux terminaux. Tu peux activer que deux terminaux Genesis au bunker B par étage. Deux terminaux par étage. Et en l'occurrence, j'ai activé le, le terminal des verrous, tac, et euh, et le terminal de la patrouille. Du coup, je me suis tapé les tourelles. C'est ce qui avait été demandé, donc euh, bah, c'est ce que j'ai fait. Alors pour les verrous, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de débat. Hein, c'est voilà. Là, on fait attention quand même pour les verrous. Il y a un petit, euh, il y a un petit zombie ici. En l'occurrence, en plus, c'est un vomisseur. Voilà, parfait. Il est mort. On dirait que tu connais bien le bunker B. Ah ben, je l'ai fait quelques fois. <laughs> Salut, bombeur. Ça va J'ai bientôt fini ma base en T3. J'ai une pièce en trois par trois, de 3 par 3 en T4, où il y a tout mon stuff précieux. Ben, t'as bien raison. T'as bien raison. Et donc là, le terminal des verrous, voilà ce que ça va donner. Donc ici, je vais avoir une fibre plus deux autres items, un élément de la tenue azmat, donc c'est pas fifou, mais voilà, j'ai déjà une fibre de carbone. C'est pas forcément le SS2 le plus intéressant au niveau du terminal des verrous. Euh, je vais passer peut-être de l'autre côté, ça me fera moins mal. Que les tourelles. Ouais, on va faire ça. On va passer de ce côté. Je vais juste prendre un peu de dégâts au niveau de la flaque d'huile qui est là. Voilà, mais bon, c'est pas grave. Je préfère 20 dégâts que de me prendre une, <laughs> une grenade dans la tête. Salut, JML Comment tu vas La forme Hop. Euh... Au niveau du stuff, je suis encore bien. Par contre, la tenue, je vais aller la changer. Hein, parce que là, à mon avis, elle ne va pas tenir le SS3. Ça se passe, bon, bah écoute. La patrouille, elle aurait été où Ah, j'aurais pu te la montrer. J'y retournerai. Tu m'y feras penser après. Elle était juste avant le, la, flaque, la flaque polluée, là. La flaque qui avait au sol qui m'a fait du 20 de dégâts. Elle est située dans cette salle-là, la patrouille. OSS-2. T'as une tenue NRBC pour le Bunker B. Là, non, j'ai pris une tenue SWAT qui était déjà pétée. Bien pété même. Euh, vous avez vu, elle a quand même tenu. Hein. J'étais à la limite du rouge. Et puis ben là, j'en suis à ça. Quoi. Donc euh, j'ai eu, j'ai quasiment rien dépensé. Mais là, vu qu'elle est dans le rouge et qu'on va être au SS3, je vais quand même me mettre un peu plus safe au niveau de la tenue. Ouais, tu vois, j'en ai une la tenue NRBC. Très pratique la tenue NRBC quand vous n'êtes pas confiant, que vous, que vous mettez du temps à faire les levels. Euh, moi, je vous conseille de prendre une tenue NRBC parce qu'elle est très résistante en termes de radiation. Donc voilà, vaut mieux toujours un petit peu plus s'assurer que... 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 Que, de... que de perdre bêtement à la fin, quoi. Ah bah j'en ai une là, voilà, tenue soit, impeccable. Elle est un peu attaquée, mais c'est pas grave. Ça va, break Je suis un peu occupé, je reviens après, bah écoute, comme tu veux. <laughs> Normal que c'est écrit bêta quand ça charge les zones, ouais, parce que c'est toujours un jeu en bêta hein, à l'heure actuelle. Il est toujours en bêta ce jeu. et ouais, depuis huit ans. Euh, là on se met comme ça. On prend quoi, Kobix, pour le SS3 Pour le labo, c'est dommage. Il n'y a pas de radiation au labo, donc c'est quand même dommage, Vincent. Après, oui, tu peux, hein, c'est l'équivalent d'une tenue, soit. Hein. La NRBC. Ah, je vois qu'il y a une pub, je sais pas si vous l'avez. Qu'est-ce qui fout, là, cette pub Vous avez des pubs, vous aussi Vous avez des pubs, vous aussi J'ai une pub, moi, qui s'affichait sur l'écran. Ça, l'UNÉOS. je t'avais pas vu. Oui, moi, oui, oui, une pub. Merde. Ah, mais je veux pas de pub, moi. Va falloir que j'enlève ça. Bah désolé pour la pub, c'était vraiment pas voulu. T'as pas eu de pub, Flouki. Ah. Bon, bah écoute, tant mieux. Abdel, t'as eu une pub aussi, ouais. Apparemment, tout le monde a eu une pub, sauf Flouki. <laughs> ah, mais t'es peut-être abonné à premium euh, YouTube, je sais pas quoi, là, Flouki, c'est peut-être pour ça que t'as pas eu de pub. Ils sont où les, les étages 4, 5 et 6 euh, du bunker B euh, <laughs> Ils sont pas, il n'y en a pas. Le 4, on va aller le faire. Hein. Mais euh, le 5 et le 6, ils n'existent pas. Bon bah go motivé avec le tenue NRBc avec les 20, ça, devient, ça devrait le faire ouais carrément Genesis la tenue NRBc elle est vraiment bien quand tu commences le bunker B euh, t'as de la radiation si tu veux et plus de temps tu vas mettre à faire les chaque level plus tu auras de radiation et c'est vrai que la tenue NRBC, elle est quand même vachement résistante en termes de, de radiation, même si celle-ci est déjà diminuée lors de... Il y a beaucoup de choses à dire en même temps. Même si la radiation est diminuée grâce à l'event de calendrier, malgré tout, si tu prends du temps, la tenue NRBC ne pourra être que utile euh, pour ce bunker B. Donc la patrouille, ok. Et après, du coup, Cobix, euh, qu'est-ce qu'on met comme terminal Pour le SS3, on part sur, euh, sur de la tourelle Non. C'est les verrous. Voilà. On part sur la tourelle ou sur la patrouille Non, t'es pas abonné au premium. Bah, t'as eu du pot, flouki, alors. On, dé on active les tourelles, cette fois-ci. Donc, on garde la patrouille. et hey, tu veux me faire faire le truc le plus costaud, toi, en fait. Hein Je le vois bien. Hein Je le vois bien. OK. <laughs> le futé. Vas-y, c'est bon. Pas de problème. On le fait. Ah, parce que là, le SS3, honnêtement, euh, j'ai pas l'aération. Salut, taf. <laughs> j'ai pas l'aération sur. Je suis pauvre encore. Regarde, je suis un noob. Mais oui. Honnêtement, sur le SS3, je préfère désactiver la patrouille que les tourelles. Parce que. Je sais pas, en fait. Je pense que ça se vaut. Euh, la patrouille, ça va coûter un petit peu en armes. Les tourelles, je peux juste les éviter. Ça coûte du soin. Ouais. Allez, go. On y va comme ça. Merde, c'est où C'est là. Je sais même plus où c'est l'entrée. Découpeur, je t'ai découpé. Ah j'ai pas fait le quart de tour, j'ai été mauvais. Ah. Vas-y, baisse-le. Mais baisse-le Ah oh, purée Voilà. Hop Ici, hurleur, ok. Explosif. Ok. Et encore un zombie démeute, c'est génial. Je sens qu'ils vont m'embêter jusqu'au bout, eux. Juste pour le plaisir, quoi. Boum. Tac. Découpeur. Ok, ça, c'est bon. Ici, vomisseur. Paf. Il est fait. Explosif. C'est fait. Brûleur d'acide, il est ok. Et l'hurleur, il est ok. Soldat d'assaut, c'est ok. Ça, c'est fait. Et lui, c'est quoi un dardeur Explosif. Tac. Parfait. Allez, on va prendre le Glock. Ils sont à chaque fois longs pour baisser leur bouclier. Ouais, ils sont super pénibles. Le sprint. Peut-être dû attendre, mais c'est pas grave. Voilà, allez, viens là. Voilà, parfait. Encore un zombie d'émeute. Ok, c'est bon. Toc soldat d'assaut. Je sors un peu glauque hein, quand même, on va taper l'économie. Le dardeur, je le fais quand même au... à la M16. Hein. On va gagner quelques PV. Ici. Ok, zombie d'émeute. C'est mon téléphone ou l'image des panettes Tu peux régler la, la qualité. Tu as... As... as une petite roue crantée en bas de ton écran là. Normalement, tu dois pouvoir le régler. Il a dû se mettre par défaut en basse qualité. Mais tu peux l'augmenter. Jusqu'à 1080. Moi, je peux le mettre jusqu'à 1080 là. Donc normalement. Euh... C'est pas mal quoi. Hop. Alors... Bah, il vient lui ou quoi Ah voilà. Mis, il a mis vachement longtemps à sortir lui. Ça c'est bon. Lui c'est ok. Et lui, c'est bon. Impeccable. On s'occupe du vomisseur. Tac. Donc là, c'est la patrouille. Vous voyez J'ai eu un mastodonte, j'ai eu un soldat d'assaut et j'ai un zombie d'émeute. Donc ces trois mecs-là, j'aurais activé le terminal patrouille. Enfin, j'aurais désactivé. Du coup, ça aurait fermé la pièce ici. Et du coup, il ne serait pas sorti. Bon. Ça, c'est fait ça c'est ok euh, donc j'ai pas les tourelles c'est déjà une bonne chose hop le petit quart de tour qui va bien le zombie explosif ok le découpeur ok et là on se retrouve sur la salle finale alors salle finale euh, je vais me mettre deux m 16 full quand même je vais me mettre comme ça on va manger un peu et puis let's go donc là salle finale attention ils sont déjà à moitié vie donc je le descends juste à 400 pour pouvoir me débarrasser uniquement voilà, du vomisseur. Et ensuite le cadavre fétide. Je vais m'éloigner un peu. Parce que le docteur effroi, bah... Il est effroyable. Quoi. Voilà. Ensuite, il va y avoir le découpeur qui va se pointer sous les 200. Ici. Parfait. Bon, il m'a mis une petite dot, c'est pas très grave en soi. Et là, il n'y a plus qu'à s'occuper des zombies des meutes, à faire attention à sa santé et à tuer le docteur Effroi. Voilà. Et c'est tout bon. Bon, alors là, on peut se barrer hein, si on veut. Ouais, je vais même le faire, à la limite. Euh, non, je ne vais pas le faire parce que j'ai la... le terminal des verrous là, à aller chercher. Alors attendez, on va se les faire. Bof. Non, on va économiser des armes. On va leur faire faire un petit tour. <laughs> c'est possible de le faire sans armes. Le bunker B Non. Impossible. C'est mon téléphone. Yes, c'est bon. Ouais. Ouais, ouais. Ok. Ils sont en chemin. Donc on va aller chercher. Euh les promène. On va aller chercher euh, le terminal des verrous là. À l'intérieur va y avoir une batterie, puis ensuite deux autres items euh, qui seront euh, random. Alors, il y a toujours un élément de tenue et toujours un soin, si je dis pas de bêtises, en plus de de la batterie pour le pour le SS3. Voilà, il y a une pilule et des bottes euh, de chasse en caoutchouc. Donc c'est pas mal. Comment t'as fait pour avoir le sac tactique Je l'ai eu grâce à l'event de la... de la réserve. Je l'ai eu en récompense de l'event de la réserve qui pop de temps en temps. Euh, je ne sais pas s'il ne devrait pas tarder là, euh, à arriver cet event. Je ne sais, sais plus comment il fonctionne, lui. Je retourne au SS1. Ouais, on va le faire, le SS4, là. On va y aller. Clairement. Pour mon premier essai, tu me conseilles un réanimateur Ouais. Ouais ouais clairement si t'en as en stock euh, Zaysmi, vas-y hein, prends un réanimateur c'est toujours ça dis-toi bien de toute façon le réanimateur si à chaque fois tu te poses la question est-ce que je le prends est-ce que je le prends pas bah tu le regretteras si tu meurs <laughs> que si tu meurs euh, et que tu l'as pris tu te diras bon bah, au moins j'ai bien fait de le prendre et si finalement tu ne meurs pas alors que tu l'as pris bah écoute de euh, toute façon euh, ça, comment ça sert à rien de le garder en stock euh, au chaud autant l'utiliser quoi c'est là pour ça hein. ils sont là pour ça la réserve, c'est le 25 janvier. Ben voilà. Donc le 25 janvier, tu vois, il y a cet event. Je t'invite à le faire. Je t'invite à y penser surtout à, à l'activer à chaque fois pour pouvoir avoir le maximum de, de récompenses possibles. Quand je dis l'activer, c'est parce que si tu ne l'actives pas toi-même, si tu ne vas pas toi-même chercher l'event ici, dans le. Ah oui, le 25, il est là. Voilà. Ben tu vois. Regarde, sac à dos tactique comme récompense possible. Si tu ne vas pas toi-même activer euh, le, le compteur de points, et ben, il ne va pas se mettre en place, et du coup, tu auras toujours des cadeaux pétés, en fait. Et c'est un truc qui m'arrive assez souvent. Voilà. Mais sinon, si tu penses à chaque fois et que tu farmes comme il faut les zones où tu fais un maximum de points, ben, tu peux, avec de la chance, parce que ce n'est pas, pas obligatoire de tomber sur le sac à dos tactique, tu peux aussi tomber sur des badges de Comico hein, qui sont tout aussi intéressants ou, ou plein d'autres types de trucs sympas. Mais voilà, c'est là que je l'ai eu. Ça ma fifou, comment tu vas Tu es niveau combien dans le pass <laughs> Franchement, je suis nul. 20, 27. <laughs> je suis level 27, mais je n'ai pas joué. Les, les seules fois où j'ai joué, c'est quand vous avez vu les vidéos, hein, si ça vous donne une idée. Je, sur cette seconde partie-là, je suis sur Palias en ce moment. Je suis sur Palias et je suis à fond sur ce jeu. Et du coup, Last Day, j'attends de la mage en fait. Hein. Je suis un peu comme tout le monde, quoi. J'attends que ça, qui, qui se. Qui, 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 qui bouge leur popotin, quoi. Parce que là, bah, depuis, depuis quelques temps, euh, c'est pas fifou. Pardon, fifou <laughs> C'est pas fifou. Ça va. Ouais, bah moi aussi, ça me fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Et que ton entourage va bien aussi. Est-ce que je vais avoir assez avec tout ça Ouais, normalement, oui, mais bon. Je suis tellement pas sûr. je J'ai vais, vais quand même, même sécurisé le truc. J'en prends beaucoup trop, à mon avis. Bon, j'en ai pas mal qui sont pétés quand même, des AK. Là. Je vais me reprendre ça aussi. Et puis, on va se nourrir. Et let's go. SS4, c'est parti. Kobix, tu es mon ingénieur ce soir. Qu'est-ce que je mets comme terminaux en plus de, du verrou Patrouille ou tourelle pour le SS4 voilà, je pense que la question se pose pas. On va voir si t'es vilain ou pas avec moi. Je suis dégoûté, je l'ai perdu en farmant. Ah merde, ah ouais, et puis alors là, en plus, le sac à dos tactique pour le trouver, quand c'est pas à l'event de la réserve, tu peux l'avoir ailleurs, hein, je sais plus où précisément. Tu l'as au casino, notamment, tu peux l'avoir au casino. Mais euh, en free to play, hein, je parle. Mais euh, ailleurs, euh, je sais plus où est-ce qu'on peut l'avoir. Je crois pas qu'on puisse l'avoir ailleurs que là, quoi. Patrouille. Ah c'est sympa. Merci Copix. Le SS4 est plus simple que le SS3. Ouais, faut, la, la seule chose au SS4, faut pas se tromper sur les vannes, quoi. Et pas sur les vannes, genre les mauvaises blagues. Sur les vannes euh, à la fin du. <laughs> Vers le boss. Tu vas faire autre chose sur Last Day après le bunker Je ne sais pas, Flouki. Euh, franchement, très sincèrement, j'en ai aucune idée. Peut-être que. Je, je sais pas, on peut, faire, euh, on peut aller un peu partout en fait, puisque j'ai pas joué depuis un petit moment, donc on, toutes les zones sont débloquées, donc on pourra se faire une autre zone si vous voulez. Là, euh, ouais, ça fait une demi-heure, euh, une petite demi-heure qu'on a commencé le live, donc euh, on a le temps, hein. on a le temps. Déjà fait sans les vannes, juste avec les bouteilles d'alcool. Ah non, 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 j'ai pas envie, ça fait faire pipi en plus. Ah, j'ai, ah, j'ai jamais fait surtout. <laughs> je sais hein, que c'est possible, euh, ta faim, hein. mais par contre. Sans les bouteilles d'alcool, t'es sûr que c'est pas le froid C'est quoi qui fait exploser la salle au bout d'un moment Moi, bon, il me semble que c'est le froid hein, qui fait exploser la salle. Je dis peut-être une connerie. Hein. C'est la plateforme, entre autres. Tu veux, tu voudrais que j'aille à la plateforme Ouais, on peut se faire la plateforme après. Euh, je l'ai pas faite récemment. Je me suis pris euh, des armes de genèse exprès hier, avant-hier, pour la faire. Ouais, pas de souci, on peut se faire la plateforme si tu veux. J'ai oublié de le regarder. Quelqu'un pourrait me communiquer le code du bunker alpha. Ouah, euh, ouais, euh, je vais te dire ça tout de suite. Bunker alpha. Taf, tu dois l'avoir, toi. les Day Honors France. 96-813. Je vous coupe deux secondes la caméra. Et le micro, j'ai besoin de me moucher. Voilà, j'espère que le micro était bien coupé parce que c'était dégueulasse. Bon, euh, j'ai jamais trop compris, je t'en prie comics. j'ai jamais trop compris ce qui faisait exploser la salle. Bah moi non plus, parce que justement avec l'alcool ça permet de survivre dans le froid et ça n'explose pas, en tout cas pas rapidement. Ah ouais et ben bah, écoute, euh, je... bah tu vois je suis toujours euh, aussi euh... aussi euh... comment? Ignorant à ce sujet, je ne sais pas ce qui enclenche l'explosion. Est-ce que c'est au bout d'un certain temps J'ai pas l'impression non plus qu'il y a un timer. Est-ce que c'est... Donc on a dit patrouille et verrou. Est-ce que c'est le fait de ne pas activer la vanne Tu me dis que ça revient au même quand on boit de l'alcool, donc euh, ce ne serait apparemment pas les vannes non plus. Bah, je sais pas. Franchement, je sais pas. Bon, il y en a sûrement qui doivent savoir, mais boum. Vas-y, tu pues, toi. Là. Je pense que c'est un timer. Ouais, mais les trois vannes, moi, ça m'est déjà arrivé. Je sais pas. Ou alors un, un timer sur la troisième vanne. Si t'enclenches la troisième vanne, t'as un timer dessus. J'entends t'enclenches la troisième vanne et il te reste 30 secondes pour finir, sinon t'exploses. Je, je sais pas, peut-être. Ah, oh, Alex, Alex, salut à toi. Ton premier live, et bien bah, bienvenue. Welcome. Ah, deux fétides, vas-y. Puis là, ils me mettent du 40, hein. Avec leur truc qui pue, là. Paf. Un petit coup de sprint. Alors, on va mettre comme ça. Hop. Tac. Et encore deux autres cadavres fétides. Ils me mettent pas bien, les gars, là. Hein. Ça coûte v'là les soins, hein, le gaz. Mastodonte, c'est géré. Ici, on a un cadavre fétide encore. Et... Tac. Et tac. Parfait. J'ai encore de la M16, donc c'est bon. Soldat d'assaut. Explosif, on se barre. Le dardeur qui m'a craché dans le dos, traître. Tiens Tac. Comme d'hab, je me mets de ce côté-là pour être pépouze. Voilà. Hop. On prend une autre arme. Je vais prendre une AKPT. Cette fois-ci. Je vous lirai après, hein. je suis désolé. Je ne peux pas trop tourner la tête là. Tout de suite, du moins. Voilà. Donc là, pourquoi on a choisi la patrouille Tout simplement parce que les tourelles, vous pouvez en fait les éviter. Alors, sauf la dernière, on fait quand même attention. Mais là, vous voyez. Hop, je me mets ici. Même si j'ai les tourelles à côté, elles ne me touchent pas. Toc. Ce qui est beaucoup plus sécurisé. Sécurisant. Rebreak. Alors. Voilà. Hop Ici, qu'est-ce que je vais avoir Découpeur. C'est fait et... Oh putain. Oh la AK, comment elle, comment elle fait des misses. quoi. Elle est pas belle, la mienne, hein. Ma AK. Elle est moins efficace que ma M16, même, je dirais. <laughs> Tac. On va chercher le vomisseur d'abord. Euh, je vais me mettre comme ça pour le boss, comme ça. Un peu de soin. On active tout de suite la première vanne, on se met vers le cocon et on y va. Let's go. Ça tue les parasites, je mets le mode auto, tiens, ce sera encore mieux même. Allez, allez. Boum, ça y est, c'est fait. Voilà. Vous êtes toujours là <laughs> Oui. Ben C'est bon parce que j'ai plus de son de jeu là. Ah si. J'ai cru que le son des tirs avait un peu planté, avait un peu bugué. Pas de fail. Bon, allez, je pars. Merci du live. Bonne soirée. Ça marche, Zizmi, à plus. Ciao, ciao. Ça se passe comment ce bunker B Pas de fail, non, donc pas de fail, non. Pas de fail. La M16 avec les modes blancs, elle marche plutôt bien. Mais carrément, carrément qu'elle marche bien. Merci, euh, merci ma fifou. J'ai un de ces bugs, mais il n'y a plus de bugs maintenant. Ouais, ouais j'ai eu un bug de son, là. C'était assez bizarre. Bon. Eh ben voilà. Ah non, j'ai oublié la... J'ai oublié la... Le terminal des verrous, là. J'ai du loot à aller chercher un petit peu, quand même. La bonbonne, quoi. C'est pas rien, non plus. Il met bien, ce terminal verrou, hein. En vrai. Le live a bugué Ah ouais Ah merde et tout est revenu, c'est bon Ah mais je sais pourquoi le live a bugué, j'ai une notif. Putain, il va falloir que je désactive les notifs sur, euh, sur mon PC, là, je sais pas comment on fait. J'ai une notif Windows, euh, window, je sais pas quoi, là. Ça a dû, ça a dû faire buguer un peu le... la transmission. Pas de bug. Moi ça va. Ah bah alors c'est bon alors, nickel. Tant mieux. Mais euh, j'ai entendu un glink qui a fait sauter l'écran de mon côté aussi. J'ai vu que ça que l'image avait un peu avait un peu foiré du coin de l'œil mais j'ai pas pas regardé, j'étais sur mon sur mon jeu. Alors, 6 fibres plus celles que j'ai gagnées au SS2 donc j'arrive avec 7 fibres de, de carbone, 20 jetons pièces d'usine, ça les rouages. Mais oui. L'huile pour les armes, les ressorts, l'ampoule, l'autre ampoule, je m'en fous. 4 batteries plus celles que j'ai eues, ça me fait 5 batteries, plus les jetons, 5 rouages encore, 5 ressorts, un circuit électronique, des composants high-tech. Mais on se met bien, là. Tac, voilà. Et le dernier. Allez, la petite mine. J'ai déjà plus de place. Ah bah je vais aller... Euh, -ce que je, euh, on, va, on va y aller par priorité. Je vais prendre ça. Euh, je vais prendre la mine et la bonbonne. Le circuit, c'est pas... Si j'oublie de venir les chercher, c'est pas grave. Les quatre soins, c'est pas grave non plus. Ça, j'en ai clairement pas besoin. Voilà. Je me mets comme ça. Et le reste, je viendrai chercher plus tard. Si j'oublie pas. <laughs> Jette l'ampoule. Ouais, ouais. <laughs> J'aime bien garder les ampoules. C'est mon petit troll. <laughs> Chaque fois, chaque fois que je trouve une ampoule, je dis que c'est vachement important. Il faut, faut les garder. Mais bon, c'est pas vrai. Ça sert pas à grand-chose. Si, à éclairer les râteliers. Et il y a quand même au, à la colonie, je crois que le van, à un moment donné, il en demande, le minivan. Je vais laisser mes armes là. Là. Voilà. Pour la plateforme, vous voulez faire la plateforme, sérieux Sinon, je fais autre chose. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ce n'est pas un problème. J'ai vu plateforme tout à l'heure. Euh... D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu euh, un screen. Cyclope m'a montré un screen de quelqu'un qui avait réussi à avoir la transmission à la plateforme dans la fameuse caisse où on la trouve jamais. Quoi. <laughs> ouais, ok, je vais faire la plateforme. Je suis pas sûr, mais je crois que tu as loupé. Putain, encore une pub. Bon, ben je vais attendre que la pub passe parce que je sais pas si vous m'entendez du coup pendant la pub. Je ne suis pas sûr, mais je crois que tu as loupé un coffre SS4 avec les verrous. Ben bah non, du coup, j'ai été la chercher, Flouki. Un bouton remplir. Alors, vous m'entendez quand il y a une pub ou pas Ou vous entendez la pub euh, Donc, je ne suis pas sûr, mais je crois que tu as loupé un coffre SS4. Donc, non, Flouki, je l'ai récupéré. Oui, pour la plateforme. OK. Il y a un partenaire qui a proposé une suggestion. Moi, je t'entends. Ça marche. Je savais pas, parce que moi, quand j'écoute des lives et qu'il y a des pubs, j'entends plus le streamer en fait. Donc euh, voilà. Euh, qui remplit que les items déjà présents dans le coffre. Moi, je t'entends pas. Non, on ne l'entend pas. Moi, je t'entends. Eh <laughs> hey, Flouki, t'as un truc bizarre avec YouTube en fait. T'es le seul à avoir des trucs. T'as pas de pub. Donc du coup, euh, tant mieux, hein. c'est bien, t'as dû faire un tri sur les pubs. Si, si t'as pas le premium, je ne sais pas comment t'as fait. Mais bon, tant mieux. Un bouton remplir qui remplit que les items déjà présents dans le coffre. Je je vois pas le. je comprends pas le, le truc, euh, taf. C'est ce qu'on a déjà en fait. Je suis le seul qui n'a pas la pub. Bah non, apparemment il y a aussi Flouki qui ne l'a pas. Mais tant mieux, hein, je préfère que vous n'en ayez pas. Eh hein. bah tant mieux, Brex, si t'as pas de pub non plus, je préfère. Quelqu'un voit mes messages Ouais, salut Sylvain. Comment tu vas Je t'ai pas dit bonjour, je suis désolé, j'étais en train de lire les autres, mais je t'avais vu, ouais. Quand tu rentres dans ta base, tu mets remplir, ouais. Et ça va remplir que les piles, par exemple, ouais. Et ça laisse le reste dans ton inventaire. Oui D'accord. Et donc là, l'idée serait que ça mette tout là où il y a de la place. C'est ça? Que ce soit pas toi qui choisisse le coffre, que ce soit le, le bot qui le fasse automatiquement. Bah ça va, Sylvain. Merci. Ça va bien. Impeccable. Là, on vient de se faire le bunker B, tu vois. Et donc on va se diriger maintenant à la plateforme. Et bah du coup, en tout, on va se mettre plutôt pas mal au niveau du loot. Hein. Tout ça réuni, ça va être cool. Neji Ayon, salut à toi. J'adore ta chaîne. Merci. Merci pour ton contenu. Une question concernant les tuyaux qu'on peut obtenir dans le labo. On peut en avoir dans chaque zone. Alors, dans chaque zone du laboratoire, euh, oui, il me semble. Par contre, il euh, n'y a qu'au labo qu'on peut en avoir hein, de ces tuyaux-là. Alors, peut-être maintenant dans les nouveaux events qu'il y a parfois dans les zones. Je ne sais même pas s'il y a encore ces mini-events-là, ces nouveaux mini-events qui existent d'ailleurs. Tellement que je ne vais plus farmer dans les zones, je ne sais pas. Je regarde juste sur un screen. Mais non, non, je crois qu'on n'en trouve que euh, au laboratoire et à la plateforme, évidemment, euh, là où on va aller, quoi. Non, mais tu vas sur un coffre, tu fais remplir. Et ça évite de mettre les guns dans le coffre de pile. Mais oui, mais c'est déjà le cas, taf. Attends, je je, je... je, je dois être teubé, là, je, je comprends pas ce que tu essaies de me dire. Enfin, ce que le mec, en tout cas, a voulu. Boucher mineur, bah je sais pas, l'un ou l'autre. Je te suis depuis longtemps. Merci. Là, on va faire le test ensemble, taf, parce que j'ai envie de comprendre ce que tu essaies de me dire. J'aimerais bien que tu essaies de m'expliquer quelque chose, mais... <laughs> la ref. Je kiffais le jeu, j'avais recommencé en même temps que toi. J'ai bloqué à la construction du drone, ça m'a dégoûté, j'arrive pas. Ah merde, il te manque quoi sur le drone, Sinaloa les, euh, les, compos les, euh, les contrôleurs de vol, pour ça il faut aller tuer les boss hein, ou labo. T'as pas un raid de prêt Non, je suis désolé Floki, j'ai pas de raid de prêt. Je me faire l'hôtel, ça marche. Bon hôtel à toi. <laughs> Imagine, tu as un gun et une pile. Oui, tu fais remplir. Ça va empiler la pile, oui, et ça va poser le gun, oui. Sauf que le gun, tu veux pas le mettre dans ce coffre Non, effectivement. Froba, c'est pas une lumière. Ah non, bah clairement, et puis alors quand j'ai décidé que je voulais pas comprendre. <laughs> c'est un peu dur là-dedans, il hein. faut y aller. Hein. Euh, oui, mais donc ça, on est d'accord. Pour l'instant, euh, c'est le cas. On, on va prendre un exemple. Hein. Voilà, merde, bon bah là, j'ai pas de gun, évidemment. J'ai ça et j'ai ça. Bien. Je vais aller ici. Si je fais tout mettre, on est d'accord Bon, ben là, ça ne va pas marcher, évidemment. Euh... On va faire comme ça plutôt, du coup. Voilà. Voilà. Là, j'ai deux cases de libre. Ça va me mettre les ressorts, normal. Je sais pas voilà. Ça va m'empiler ces ressorts-là avec ça. Et là, AK, ça va me la mettre ici, dans la case qui est libre. Mais ça, ça, ça a toujours été. Donc, je ne comprends pas, et j'insiste, je ne comprends pas ce que le mec a voulu demander. Un bouton qui empile uniquement. D'accord. Donc un bouton qui permettrait de ne poser que des items qui sont stackables. Et non pas les items qui sont à l'unité. C'est ça <laughs> Si c'est ça, putain. <laughs> Moi, pour le... Bah si, justement, Break, c'est le cas. C'est si, si, la preuve. Stackable est déjà présent. Ok, ça marche. J'ai compris. Donc par exemple, là, je fais tout séparer et puis euh, ça ne mettra que les trucs stackables. Voilà, en l'occurrence, il aurait pu y avoir du soin, du clou, euh, de la corde, des bouteilles vides, euh, du métal, etc. C'est bon, j'ai compris, là. D'accord. Ça va, faire Benjamin Oh, ça va, impeccable. Justement, il veut un bouton pour mettre que les items qu'il y a déjà dans le coffre. Oui, oui, j'ai bien compris, mais bon, euh, pff, je, je, je trouve ça bête, hein, pardon, hein, mais regarde. Là, tous les items qu'il y a déjà dans le coffre, je mets tout mettre, ça ne va pas m'en rajouter de toute façon. Hein. Donc... Euh... Ouais, je ne sais pas. Ou si par exemple, ici, il y avait euh, Ok, si là j'avais comme ça, si j'ai que des vis dans ce coffre, en gros, il voudrait qu'il y ait que les vis qui aillent dans ce coffre, c'est ça? Et en l'occurrence, si je fais tout mettre, moi j'aurais juste la haka et la fibre, et pas que les vis. Ouais, bon, bref. Je suis pas convaincu de l'idée hein, quand même. Ou alors c'est vraiment que j'ai pas capté le truc. Mais bon, comme Brex, c'est fait un plaisir de le dire. Je suis pas une lumière, hein, donc euh... on n'est pas tous égaux. Hein. <laughs> J'allais mettre mes bouteilles dans la TV. Hop, euh, ça c'est bon, ça c'est ok. Les batteries, je vais les garder. Les rouages, pff, ouais, je vais les garder aussi. Je suis pas convaincu non plus non et un truc qui va dedans bah pff, ouais pas forcément en fait après ça dépend de la taille des coffres toujours pareil mais là tu vois euh, je suis full et donc quand je fais tout mettre il y aura que le verre et que le plastique quoi là euh, je suis pas si bah tu vois là je suis full aussi on a quand même vite les coffres qui enfin les coffres ils sont quand même vite remplis hein, de manière générale c'est un bordel un vrai bazar. Je vais mettre ça. Ouais. J'ai posé ça, je vais poser ça. Je sais plus où ils sont mais je On va les mettre comme ça. Je suis pas convaincu non plus. Non, ça va. <laughs> je rigole, ça va. Bunker A et B. Salut Bad, ça va et toi. Ce serait comme le bouton trier de Westland, l'idée du gars. D'accord. Ouais, ce serait une. Euh, une... Je ne suis pas contre les petites options. Après, est-ce que c'est vraiment ce que les joueurs attendent aujourd'hui dans le jeu? Je, voilà, je ne suis pas convaincu. Mais bon, si c'est. C'est toujours des petits trucs en plus qui peuvent être faits assez facilement en tout cas par les développeurs. Donc je comprends l'idée, j'entends l'idée, il n'y a pas de souci. Moi, je ne pense pas que ça me servirait. Clairement. Euh... Je comprends l'idée. Des petits trucs en plus, c'est toujours bon à prendre, donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est pas non plus. Euh... C'est pas ça qu'on attend. Hein. C'est pas ce qu'on attend. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas ce que j'attends. Je veux de la zone. Je veux de la zone, je veux des ressources. Je veux, je veux des nouveaux trucs à faire. Alors, pour la plateforme, on va prendre ça. On va prendre de la massassie. Euh, massassie, massassie. Massassie. On va prendre... Je vais me faire de la machette. J'en ai peut-être là. A chaque fois que je rentre, je fais remplir et il y a un truc ou deux que je dois reprendre. Oui, 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 mais je, 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 je comprends ce que... J'ai bien compris ce que tu disais. Je l'ai fait là, à l'instant, sur je ne sais plus quelle caisse. Ça doit être celle-ci ou celle-ci, peut-être. Je viens de le faire, à l'instant. Là, j'ai mis tout mettre pour... Parce que voilà, je sais qu'il y a certains items qui vont dans ce coffre-là. Alors que j'aurais préféré, par exemple, que ce, ces rouages-là, j'aurais pas voulu qu'ils soient, qu soient mis là. J'aurais préféré ici qu'il y ait d'autres plastiques, par exemple, ou d'autres pièces d'usine, si j'en avais eu dans le sac à dos. Euh, les rouages, ils vont là, tu vois. C'est bien rangé. Mais j'ai bien compris, effectivement, ça peut avoir son côté pratique. Ok. Don't acte. C'est vrai. Je suis en train d'oublier plein de trucs, là. Ça. Euh, voilà, katana, je vais prendre là. là, là. Allez, un petit tuyau. De toute façon, il n'y a pas besoin de tout ça hein, non plus. Euh, je vais prendre un Glock, alors faut quand même pas oublier au cas où on tombe sur le boucher. Et euh, sinon, si toutefois il s'agit du mineur, alors le mineur on peut le wall trick, mais franchement, je ne vais pas vous le wall trick parce que ça dure une bonne demi-heure juste pour le wall trick. Je sais pas, on n'a peut-être pas la cas. On peut le faire hein, de manière économique, mais... Allez, on va prendre ça. Les tuyaux qu'on trouve au labo, j'en ai à foison, je sais plus quoi en faire. Salut Andarta, comment tu vas C'est bazar tes coffres, ouais. <laughs> T'as vu Je suis toujours en manque de place dans mes coffres. Ouais, et puis c'est vrai que là, du coup, tu vois, j'ai des, des slots qui sont occupés par des items qui auraient pu être triés ailleurs. Ça, par contre, c est, c est, ça pourrait être un truc euh, utile. Mettons, je prends ce râtelier ou je prends même ce coffre-là. Il y aurait en haut, euh, entre le mot coffre et euh, la peinture là, qui est là, euh, il y aurait un troisième onglet où on pourrait définir la destination de ce coffre. Par exemple, je pourrais dire, bah, moi dans ce coffre, et là je clique sur l'onglet et je sélectionne. Je sélectionne l'item que je veux. Mettre dans ce coffre-là. En l'occurrence, je pourrais sélectionner les pièces de tourette, je pourrais sélectionner les montres. Et automatiquement, dès que je rentre euh, dans ma base, ben, j'ai un bouton euh, au milieu, par exemple, là, plutôt que de trier comme ça. Ici, quand je suis dans mon sac à dos, voilà, je pourrais avoir à côté un autre bouton rangé automatiquement. Et ça me rangerait automatiquement dans les coffres que j'ai définis, que j'ai prédéfinis. Salut Lucas! Non, Frobas, je ne sais plus à quoi ils servent. Ah, à quoi ils servent euh, Ils servent déjà, hop, euh, je crois, le bioréacteur du laboratoire. Et puis, en fait, je crois que c'est à peu près tout, hein. ces tuyaux. Bref, Luki, je ferai un petit résumé, probablement. Ouais. Ouais. Bah après, ça dépend de la durée. Tu sais, sur un live d'une heure et demie, deux heures, euh, oui, je vais faire un résumé. Sur un live qui dure une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a pas forcément besoin de faire un résumé. Quoi. Bon là bah, ça a l'air d'être parti quand même pour encore une bonne demi-heure voire trois quarts d'heure donc, euh... donc euh, il risque très probablement d'y avoir un résumé. Ouais. Je suis bon là ou pas au niveau des du stuff Je vais me prendre ça en plus. Parce que du coup, je, je, je vois pas où est-ce que j'en suis là. J'ai pas de mode sur mes fusils à pompe. Il me reste combien de temps de bonus 25 minutes. Putain, faut que j'y aille. Allez. On court. On court parce que le temps que j'arrive au boss, si c'est le boucher, avec tous les allers-retours que je vais faire à la masse assis pour économiser un max, prends le drone. Waouh, purée, j'ai failli le zapper. <laughs> Bien vu, merci. Oui, comme un peu Westland. Ben, je crois que sur Westland, ils ont ce petit bouton qui permet de ranger les items automatiquement. Mais est-ce que ça range dans, dans un coffre défini ou pas Dans Westland Je me pose la question, hein, je ne sais pas. En fait, chaque coffre est défini, si je me rappelle bien. Tu, tu as des commodes pour les vêtements, enfin des penderies pour les vêtements. Tu dois avoir des coffres à bois, ce genre de trucs. Chaque coffre que tu construis est spécialisé. C'est pour ça que j'ai oublié. Ça fait un bail que je l'ai fini. Tu parles de quoi, Dragon Ah, le tuyau, oui, les tuyaux. <laughs> J'avais déjà oublié de quoi tu me parlais. Le drone. Il est là. Il est chargé. Il est plein. Allez, on y va. Vite, vite, vite. 25 minutes. Ça va et toi, Rixo D'accord, c'est ça. Ouais. Chaque coffre que tu craftes a déjà une destination en particulier que dans Last day. Bah, chaque coffre, en fait, tous les coffres sont pareils. Quoi. Donc, si on pouvait éventuellement, oui, et là je rejoins complètement du coup ce que disait euh, taf tout à l'heure, si on pouvait les, 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 les sélectionner, leur, leur attribuer une, une destination de ditem ou même une catégorie à la limite, tu vois un peu comme il y a dans la messagerie, pourquoi pas pourquoi pas au moins ça, quoi. Voilà, armes, outils, équipements, ressources, machin. Ben, ce genre de catégories qu'il y a là, on pourrait les attribuer à nos coffres. Déjà, ça, ça enlèverait pas mal, de, pas mal de. pas mal de tri, quoi. Pourquoi je suis sûr d'avoir oublié un truc <laughs> J'en ai marre. Je mets des plombs à écrire, t'inquiète, pas de soucis. Il y a un atelier pour les tissus, un hein, pour les armes, etc. Ah ouais, ouais, mais c'est ça, hein. c'est ça. Merci Noah, c'est gentil. Et j'ai liké, eh ben, c'est encore plus gentil. <laughs> J'adore tes vidéos. Merci Rixo, vous êtes gentil ce soir, ça fait plaisir. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour la prochaine mage À part l'event le, du nouvel en chinois, parce qu'apparemment c'est ce qui va arriver. Hein. Enfin, on sait rien en fait, mais ça, ça me paraît évident quoi. Allez, let's go. Ah bien, faut que j'enlève le sprint. Je vais me faire avoir là. Soin personnel, mode auto. Tac. Bon boucher ou mineur Ouais. On va voir. On va voir ce que c'est. Tac. Ensuite, je passe de ce côté un petit coup et je sors hop, avant de prendre les dégâts. Comme ça, c'est gratuit. Un mineur en vrai. J'aimerais bien petit boucher. Moi, j'aimerais bien petit boucher, mais pour ça, faut que j'arrive à l'atteindre avant que mon bonus d'arme à feu <laughs> s'arrête. Parce que sinon, je suis dans le caca. Quoi, le dégel de la mâche de Noël. <laughs> Ouais, clairement. C'est possible de... Si je te pille... Non, tu peux pas. Euh, tout ce qui est solo, c'est solo. Donc malheureusement, tu ne croises... Enfin, heureusement plutôt, tu ne croises jamais de vrais joueurs. Tout ce que tu croises, ce sont des bots. Cra. Lui, on va le surprendre. Je vais lui... aller lui taper les fesses. C'est vilaines fesses là, bah, bah, hop, hop, allez, bon, c'est pas grave. Je ressors un coup. Alors ce que je fais, c'est super économique, par contre, c'est super long aussi. Hein. Je vous préviens. Tac. J'ai toujours fait la plateforme car j'ai. J'ai toujours pas fait la plateforme car j'ai même pas fini la colonie et vu que j'ai repris il y a pas longtemps, il y a beaucoup de nouveautés pour moi. Ah mais clairement, quelqu'un qui a repris le jeu il y a pas longtemps et qui l'avait laissé pendant, allez même deux ans aujourd'hui, euh, il y a pas mal de trucs à faire. Hein, entre le la colonie, le chemin de survie, la plateforme, euh, ouais si si, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Entrée. Tu fais pareil, ouais bah tu... enfin, moi c'est ce c'est aujourd'hui, quoique toi Fifou, t'as quand même déjà plus de recul que ce que j'ai moi sur ma seconde partie. Euh... Donc je, je pense que t'as un petit peu plus de stuff que ce que moi j'ai là. Mais euh... ouais, clairement, euh, niveau économique, il n'y a pas mieux. Mais ça prend du temps. Voilà, faut avoir du temps. Et je vais accélérer là, je ne vais pas tout faire comme ça. Hein. Vous avez compris l'idée de toute façon. Tac. Là, on peut faire un peu de trick quand ça veut bien. Voilà. Par exemple. Ici, j'ai encore un gros lard. Et là, j'ai ça. Donc, je vais plutôt le faire lui. Tac. Tac. Voilà. Ok, j'en ai un deuxième qui arrive. Super. Et encore un troisième ici. Bien. Ah, ah ça va encore planter, je pense. J'ai entendu encore une... Mmh. Ça a déco là. Hein Reconnexion. Ça a bugué. Ouais, ça a bugué, ouais. On est d'accord. Ça a planté. Vous êtes toujours là ou pas Allo, allo <laughs> C'est... Oui, ah, ah, oh, c'est bon. <laughs> ouais, mais je l'ai vu, c'est mon OBS qui a planté. Euh, pourtant, j'ai tout qui est optimisé à fond, je ne sais pas pourquoi l'OBS a planté. C'est bizarre ça. Il m'a lâché comme ça, sans prévenir. Bon, on va accélérer la plateforme. Hein. Pas moi. Ah bah écoute, tant mieux alors. Tant mieux. Je vais juste vous couper la cam, deux secondes. C'est parce qu'il y a la cam, c'est pour ça. Tac. Ouais. Donc, je disais que c'est quand même plus économique. Ah, mais ouais, mais clairement. Clairement, ça te coûte, aller une masse à six et demi, on va dire. Salut, Jouba Comment tu vas euh... Que des armes de mêlée. Bon, ça va quand même coûter toujours pareil. Hein. Les armes à feu pour les boss et euh, une arme de jeunesse pour... Euh... Pour... Euh... Pour les charognes. D'ailleurs, euh, Taf, enfin Taf ou d'autres personnes, peu importe, euh, les charognes qu'il y a, on peut les troll ou pas aujourd'hui On peut continuer à les troll ou pas J'ai pas envie de m'embêter à chaque fois à le faire. Je m'embête à faire plein de trucs qui font perdre du temps, qui sont économiques, mais qui font perdre du temps. Et ce bug-là, je le. J'ai pas envie de perdre du temps à le faire en général, donc je voudrais juste savoir si, si ça a été patché ou pas. Ok, il veut pas il veut pas que je voie le trick, lui. T'as pas envie. Ah. Voilà. écra hey, vas-y. Je viens d'arriver, tu as déjà fait l'event. Ouais, j'ai déjà fait l'event du bunker B. Je suis désolé, euh... pro-schnost. Et là, du coup, on est parti à la plateforme. Il voulait voir la plateforme, donc... Euh, let's go, quoi. Je suis pas calé sur les bugs à la plateforme, j'ai commencé longtemps après. D'accord. Bon, ben, bah, ok. Donc tu es comme moi, quoi. T'en sais rien. Bon, après, euh, pff, voilà. Hein. C'est pas... Ah Tac! Bon allez vas-y, j'ai la flemme. On va se les faire comme ça. On pourrait y aller un peu plus économique, mais c'est pas grave. Ça me coûte du soin. C'est tout. Donc là, on a tout checké. Lui, il est déjà sorti. Non, il est là. On gagne plein d'armes dans les coffres. Ouais, c'est vrai. Mais justement... C'est d'où l'intérêt aussi de, de le faire malgré tout un petit peu économique parce que il y a moyen de se mettre quand même vachement bien en arme, justement, et donc d'optimiser de, de, encore plus le stock qu'on peut avoir. J'ai pas le drone, je suis qu'à quatre contrôleurs, ça coûte trop cher en arme. Eh ouais, faut faire du labo. Oh la petite iode, ça c'est rare. Ça, c'est super rare, ça sert à rien. <laughs> enfin, si, pardon. Ça, ça servira, mais beaucoup plus tard. Mais trouver une iode dans cette poubelle, c'est rare. Mais ça arrive, la preuve. Cra. C'est comme la ferme. On gagne autant qu'on perd. Euh, euh, oui, je suis assez d'accord. Oui, c'est vrai. Et après, je vais même te dire, euh, je me suis souvent pas tout le temps mais souvent poser la question qu'est-ce qui vaut mieux dépenser un glock ou dépenser deux machettes en vrai parce qu'on va pas se mentir les glock on en trouve facilement quand même que les machettes faut se les crafter quoi c'est comme le bunker mais à un autre niveau tu parles de la difficulté de la plateforme. On est un petit peu. Alors, si on ne tient pas compte des boss, on a un petit level supérieur quand même du bunker A. Euh, on n'est pas non plus. On est entre le bunker A et la plateforme, on va dire, en termes de difficulté, si tu veux. La euh, Pas la plateforme, le, le labo. Entre le bunker A et le labo. On va dire qu'on est sur du bunker B pendant les 20, quoi. Mais. Non, il ne veut pas. Putain. T'inquiète, j'ai de Voltric, hein. C'est sûr, même. Voilà. Allez, hop. Salut. C'est pour ça, faut pas hésiter. Sur le mode écho. Bah ouais. Alors... Mineur ou boucher? <laughs> boucher ou mineur? Écras boucher. Fifou veut le boucher. Est-ce que j'ai la capacité encore? Temporaire. 12 minutes, c'est bon, on va pouvoir se le faire. Je prépare au cas où. Je mets quand même ça. Au niveau des compétences, je mets le sprint, je mets le soin personnel. Euh... Attends, non, je dis une bêtise, là, il m'en reste encore un là-haut. Hop, 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 hop. Mais oui, j'ai lui, là. Ce faux filet. Salut Aubin Piche, comment tu vas? C'est 100% aléa sur les deux boss. Quel que soit le conteneur. Ouais, si c'est une question, ouais. Enfin, c'est ce que je pense, bon, en tout cas. Hop! Mineur. J'espère que tu vas bien. Bah, ça va, ouais, merci. Impeccable. J'avais plus de batterie dans mon tel, il s'était éteint. Aïe! Bah alors il était fatigué de la journée. Donc je disais. Allez, on commence par lui. Ok, c'est les. Euh... Bah alors ils viennent pas. On va se mettre comme ça. C'est la caisse éco, ça, il y en a toujours une de toute façon maintenant. Hop le deuxième, voilà. Et là, la caisse éco, elle met bien, vraiment. Tu vas pas remettre la cam, si, si. C'est juste que là, je suis en train de, de faire brûler une bougie. Du coup, ça fait un peu de fumée partout. Ça fait un peu trop boîte de nuit, donc euh, je l'ai enlevé, quoi. Euh... Ah, c'est le mineur, merde. Putain, j'avais pas envie. <laughs> j'avais pas envie que ce soit lui, puis j'ai oublié de mettre le sprint. Mais non. Pfff. Oh, c'est le mineur, j'ai pas envie. Tiens. Bon, on peut le Wall Trick, mais j'ai vraiment la flemme, hein, je vous promets. Je vous montre. Je vais vous montrer un peu de Wall Trick quand même, parce que voilà, on va dire que je me dois. Je me mets vraiment collé là, tac. Là. C'est pas grave. Voilà. On peut le Wall Trick comme ça jusqu'au bout, mais c'est chiant. <laughs> Ah! Putain. C'est pas l'idéal le pompe, hein? Non plus. Alors après, il y a le flare gun qui est très, très, très efficace. J'avais recommandé dès le début. Mais j'en ai pas en stock. Donc malheureusement, je peux pas. prendre un peu pompe le pompe le trick <laughs> ah il m'a eu alors pas de panique hein, il fait pas aussi mal qu'OS au 7 mais quand même Je vais essayer de l'éloigner un peu. Oh le lag. Ah il va me pécho Il veut me pécho. Bisla Mais il m'a pécho, hein. merde C'est long, hein Ah j'ai pété que 1000 points Ah oh, putain, voilà j'ai fait le con. C'est trop long. Et puis en plus je suis mauvais. mettre là ok hmm. on va se mettre comme ça Désolé, hein, ça prend du temps. C'est un peu chiant. Alors pour ceux qui veulent Waltrick, hein, c'est là que ça se passe. Hein. Vous vous collez bien sur la remorque là. Je vais vous lire après, vous inquiétez pas. Ah j'ai faire péter la hein. j'en ai marre. <laughs> bah, vous avez compris le principe quoi <laughs> 42. Allez. Boum. Ah. Oh, va Dieu. Quand même. J'ai pas mis la cam. Du coup. Tu penses que niveau 13, cette semaine, ça passe À quel niveau, Flouki Salut Buri. Comment tu vas Salut Yaya. Salut Mougli. Oh là là. J'ai raté plein de messages. Non, pas lui. Ouais, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bon bah ce sera une boucherie de mineurs, ouais carrément tu vas foutre le feu à la baraque <laughs> mais non euh... alors attendez, tu n'as plus de compétence guérisseur ah je l'avais oublié tiens la compétence guérisseur je l'avais oublié T'as déjà fait une soirée tranquille dans la zone de neige pour farmer du C4 Jamais, j'aimerais savoir si c'est rentable. Euh, avec bien sûr les chiens nourris pour un meilleur loot. Alors, très sincèrement, la zone de neige, je vais t'avouer, je l'ai faite euh, peut-être pour les présenter, les zones de neige, mais jamais j'ai été dans ces zones, à part, à part, à un moment donné, pour chercher les huskies. Voilà, c'est tout, je n'ai jamais été farmer du cuivre là-bas. Donc euh, malheureusement, euh, non. Non, 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 ça ne m'intéresse pas parce que le cuivre, on peut tellement en trouver partout ailleurs que euh, voilà, je, je trouve que ces zones-là sont juste bonnes pour, les, pour trouver les chiens yuski, quoi. C'est tout. Il y a encore des gens qui y vont, bah je pense, oui, qu'il y a encore euh, des joueurs, des clans qui vont faire du S7. Hein. Plus que 1000 PV, ouais. Deux heures après, tu m'étonnes. C'est long, hein Salut Ladif. Ça va Merci pour les GG, merci beaucoup. Ah oui, 13 levels, oui, oui, au oh, boss. Bah, Alors, c'est les plus longs, hein, du coup, les, les, les 13 levels pour atteindre les 150, forcément, ça va être les plus longs, mais tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Salut Pirailleur, salut The Travel Drone, euh, salut Ilias, bonjour, oh là, là, il y a une arrivée. Il a bien miné, <laughs> le mineur, ouais. je l'ai déminé, le mineur. Salut, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser un C4 dans le bunker Bravo du SS2 un C4 euh, Non, c'est une mauvaise idée. Et puis, je ne vois pas où est-ce que tu pourrais l'utiliser, de toute manière. Euh... Je... Non, j'essaie même de voir... Ah, si, le... d'accord, pardon, pour le boss du SS2 au bunker B. Euh... Non, ne le fais pas, tu vas perdre du SS4 pour rien, ça ne sert à rien, clairement. Autant que tu te fasses le boss directement. Va pas, va pas péter du C4 pour les tourelles qu'il y a derrière. Nicolas, salut à toi ça fait plaisir de te retrouver car j'ai arrêté le jeu pendant un an et toi tu as continué tes vidéos, elles me sont toujours utiles. Et bah écoute, merci, merci euh, déjà d'être toujours là. Et puis bah avec plaisir, ce sera une première participation à cet event. Ce sera ma première participation à cet event. Tu parles du bunker B, JML Alors tu as fait quoi Bah écoute, on a été faire le Bunker B en tout début de, de live. Et ensuite, et bah, j'ai demandé ce que les gens souhaitaient voir, et donc ils m'ont dit qu'ils. Qu'ils aimeraient voir la plateforme. Et tu vois, c'est exactement ce que je suis en train de faire. Et là, j'étais sur le mineur depuis <laughs> bien cinq minutes à tourner autour du camion. Avec... Alors, j'ai eu la flemme de le Trick hein, avec les armes blanches. J'avais quand même prévu, mais là, pff, non. Et puis, c'est pareil, je vais accélérer le mouvement. Parce que. Bah parce que, voilà, quoi. Arrive un moment où. Ça reste long, hein. Quand on y va à l'économie, ça reste long. On va faire comme ça. Ouais, si, c'est bon. On va se mettre comme ça. Alors, ah merde, j'ai oublié d'ouvrir le portail, mais non, je suis un peu... Ah putain, j'ai oublié d'ouvrir le portail. Bon. Eh ben... Euh, allez, vas-y. Bon, ben là, faites pas comme moi. Hein. Pensez à ouvrir le portail avant, parce que sinon... Euh... Pff, mais qu'est-ce que je fais Je fais de la merde. Ah là 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 là. Ouais, J'ai fait de la daube. Depuis le début. Tu as farmé ces compétences à l'époque où les compétences pouvaient être obtenues qu'en farmant les différentes zones. Faute à pour les compétences. Bien vu, Buri, c'est vrai. J'avais oublié. Absolument. Et je me rappelle encore, toujours, je l'oublierai jamais, cette compétence de la poche supplémentaire, celle-ci. Qu'il fallait aller chercher en zone calcaire. C'était un vrai. Euh... C'était un, euh... un vrai carnage. Hashtag panique. Putain, j'étais en PLS là. Franchement, ils m'ont mis pas bien. J'ai oublié le portail, ça m'a complètement euh, déconcentré, quoi. Et je cherchais un Glock, tu vois, comme un noob dans mon sac à dos, mais j'ai pas de Glock, là. J'ai pas pris de Glock. Enfin, si, j'en ai pris, mais il était déjà tout pété. Ouais, j'étais en panique. Bon, lui, c'est pas nécessaire, mais je me le fais à chaque fois. C'est plus fort que moi. Je peux pas le laisser comme ça, là, tout seul, en train de taper sur son pauvre distributeur de boissons. Il me fait trop pitié. Donc, euh, je me le fais. Voilà. C'est... J'ai... Euh, j'ai bon cœur, je sais pas. Non, il veut pas. C'est lui qui me, fait, qui me fait mal, du coup. Je peux, là, au -tric, non Et là, non plus. Allez, reviens là. T'étais pas mal. Voilà. Tac. Donc là, bah, pour ces trois-là, par contre, je suis désolé, ça va prendre 5 minutes, mais on va les faire. Hein. On va les faire. Je fais comme ça, je sors. Alors je sors de ce côté cette fois-ci, pour qu'il soit bien tourné du bon côté. Voilà. Et je re-rentre. C'est bien de le dépop, les sodas. C'est pas bien pour la santé. Exactement, t'as tout compris. Prends un café, t'es pas concentré. Ouvre le portail, il va être trop tard. Une horreur. Dire, parler, répondre en même temps, que jouer à l'ASD, ça ne doit pas être évident. <laughs> Des fois, c'est pas simple. Mais là, pardon, hein, j'ai pas d'excuses. Hein, là, c'est moi qui ai clairement oublié d'ouvrir le portail, hein, tout simplement. J'étais mauvais, j'étais mauvais. Bon, ben bah, ça arrive, hein, c'est comme ça. Hein. Comment obtient-on le sac à dos tactique en début de survie Et ben Je l'ai dit tout à l'heure, Ilias. Tu... Alors, tu n'étais pas là, hein, donc je répète, il n'y a aucun souci. Tu peux l'avoir, tu peux le trouver dans l'event de la réserve qui va arriver incessamment sous peu. Donc, c'est le 25 janvier qui va arriver, l'event. Et tu peux l'avoir là. Je te le montre. Tu vas dans le calendrier, événement, la réserve. Tu vois, meilleure récompense, il y a le sac à dos tactique qui est possible. Attention, c'est pas obligatoire de l'avoir. Hein, mais tu peux, euh, si tu as de la chance, l'obtenir ici. Sinon, ça va être au casino avec les jetons. Où tu peux aussi éventuellement l'obtenir. Euh... Mais je ne sais pas si on l'a en début de game. Au casino. Ce sac à dos. Je ne sais plus. Voilà, il y a eu un petit, un petit bug visuel. Hop. Allez, voilà. Ça arrive à tout le monde, mais clairement, clairement, qui l'a pas oublié quoi. Le jeu a bien évolué pendant ma pause. Les caisses bleues du Comico sont toujours moyennes en termes de loot. Euh, moyenne, euh, en tout cas, le loot qu'il y a dedans n'a pas changé, si c'est la question. J'ai besoin de mode d'âme sur mes S16. Eh bien, les M16, si tu cherches des modes euh, communs, euh, oui, tu en auras au Comico euh, dans les caisses vertes. Si tu cherches des modes rares, tu en auras dans les caisses bleues. Hein, toujours pareil. Et si tu as besoin de modes violets, de toute façon, ce sera dans les badges violets. Hein. Et ça, après, c'est tout dépend de tes besoins. Quoi. Donc, dire que le loot est moyen dans les caisses bleues bah, par rapport à une caisse violette, oui, c'est moyen. Après, est-ce que ça ne vaut pas le coup C'est un débat. Voilà. C'est un débat. Il euh, n'y a pas de. Chacun aura son point de vue, quoi. 87 163, c'est le bunker code, ça. Tu as fini les trois maps de la colonie Non, oula, non, j'en suis loin. Ouh là, là Tu penses que ça arrivera d'ici quand les autres events du camion de la colonie Aucune idée. Aucune idée. Il y a toujours la contrainte du niveau de chopper pour la station essence. Quelle contrainte Je crois je les grignoter. Bon app. Dans tous les cas, si tu as de la chance de le trouver, va vite jouer au loto. De quoi le sac à dos? Euh, si tu parles du sac à dos euh, euh, dans les ventes de la réserve, euh, non, il se, il, on peut l'avoir assez. Alors assez facilement, faut faire les ventes, hein, faut quand même y aller, faut, faut farmer. Quoi, mais... Ah oui, d'accord. Oui, oui, tout à fait, taf. Oui, oui, absolument. Mais. Non, je crois que ce n'est plus le cas. Hein. On peut bien y accéder tout de suite, il me semble. Maintenant. À la station essence. Bah, notamment par rapport à la zone VIP, hein, d'ailleurs, je crois. Je sais pas, je dis peut-être de là, pour le coup, je ne sais pas. Il faudrait que je recommence une partie. <laughs> Mais non, ça n'arrivera pas. Ah, j'ai faim Heureusement, il le... y a un zombie qui m'a laissé la place devant un distributeur. Je vais pouvoir aller me... me nourrir et boire du soda. Pour la plus grande joie de pire ailleurs. Par jour, quand je joue, je farme bois, fer et pierre, au moins 300 de chaque et 152 chaînes par soir. Ouais. Et t'as assez d'essence pour faire tout ça ou d'énergie où peut-on trouver de l'essence rapidement pour le Chopper ben voilà. Euh, au Bunker A, au Bunker B, au laboratoire, tu en auras dans les coffres. Mais si tu ne peux pas faire ces zones, ben ce sera donc Bunker A et les Event Chopper. Je t'invite à siphonner les motos, évidemment, des, des mecs que tu vas croiser. Tu as bien avancé sur ta deuxième partie. Euh, moi, oui, mais il y a eu un gros, gros, gros coup de frein depuis, euh, depuis un petit peu avant la mise à jour de Noël. Euh, la mise à jour de Noël, j'ai fait uniquement l'event de Noël. Et depuis, j'ai dû allumer le jeu en tout et pour tout. En tout et pour tout, depuis l'event de Noël, j'ai dû allumer le jeu, allez, peut-être euh, deux heures, allez, trois heures avec aujourd'hui, si tu veux, trois heures de jeu depuis, euh, depuis que l'event de Noël est fini. Voilà. Donc tu vois, c'est en chute libre. J'attends la mage et je me suis mis, tu le sais, hein, sur Palia. Donc forcément, voilà. Il y a des bidons aussi en largage. Ouais, c'est vrai, absolument. On peut aussi en trouver dans les disquettes hein, de l'essence. Avec le guérisseur, tu prends l'énergie, ouais, normal. Normal. Il y a quoi comme endroit où on peut avoir de... Quand on fait tous les endroits comme bunker, etc., j'ai pas compris. Je suis désolé. Tu as encore une pub. Euh, je suis désolé vraiment pour les pubs. C'est pas du tout volontaire. Euh, je, je réglerai ça pour le prochain stream, mais vraiment, je voulais pas vous balancer de la pub et je sais pas d'où elle sort. Quoi, j'ai dû dérégler un truc. Euh, je sais pas. Je suis désolé. Pour le sac à dos tactique, tu as une chance sur deux d'avoir des packs de force spéciales dans l'arène, sinon. Ah oui, c'est vrai. Très juste. Très juste. Ou une chance sur six d'enfiler un. Ouais, ouais, très juste. Euh, pour ceux qui cherchent des sacs à dos, Pire ailleurs a dit. Euh, a dit une chose tout à fait exacte. Ah, d'XP, oui, oui, oui. Pallias, c'est que sur PC et sur la Switch. Fifou. Je l'ai d'abord testé d'ailleurs sur la Switch. Le problème, c'est que sur la Switch, ça vient de sortir juste avant Noël. J'ai pris le jeu, il est gratos hein, sur la Switch. J'ai pris le jeu, il avait euh, une semaine ou deux sur la Switch. Sur euh, PC, ça fait déjà euh, 5-6 mois qu'il existe. Mais sur la Switch, ça merde, en fait. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur PC. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas que sur la Switch, c'était pas encore, euh, pas encore assez, euh, assez travaillé. Après, voilà, c'est mon point de vue. Je trouve que ça lag. Graphiquement parlant, on n'a pas tous les détails. Que ce qu'on a finalement sur pc après c'est malgré tout sur la switch que j'ai appris à aimer ce jeu hein. donc euh, voilà c'est que quelque part ça vaut quand même le coup malgré tout à mes yeux tu as testé Palworld, taf toi qui adore les pokémon je le sais c'est la grande c'est la grande mode la Palworld en ce moment hein moi bon, j'ai pas envie hein. j'aime pas du tout euh, cette, cette ambiance Pokémon euh, ça me va pas pour la pub c'est déjà arrivé à Mitidoka qui, en... qui a galéré pour les enlever c'est dans les paramètres faut que je regarde ça ça a dû me le mettre automatiquement par défaut je sais pas des je sais pas je sais pas j'ai pas le temps de jouer ouais bah, je comprends bien mais après euh... Je sais que t'en rêves la nuit des Pokéballs et puis d'aller attraper des Pikachu. Je le sais bien. <laughs> J'ai toujours faim. Tous les streamers sont dessus. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai vu, il y a Benichou là en ce moment. Il fait, de... il s'est mis dessus aussi. Mais pas moi. <laughs> Vous ne verrez pas jouer au Pokémon. Non. Après, je respecte. Hein, attention. Hein. Ouh là, là. pas de. Je ne fais aucun jugement, c'est juste que moi c'est pas le jeu qui m'intéresse. Je suis sur Palia donc je serais malvenu de dire que quoi que ce soit. Et si c'est Pokémon zombie Ah Ah, tu marques un point. Non, il me faut un Glock là, ça va pas. Je vais pas, pas péter mes armes comme ça. Est-ce que j'en ai un là quelque part Oui, j'ai un Glock. Hop. Pour les dardeurs quand même. J'ai essayé Palward. Je trouve vraiment pas ouf. Ah ouais C'est quoi que t'as pas aimé Parce que moi, c'est juste l'ambiance hein, qui ne m'intéresse pas. Parce qu'après, euh, encore une fois, euh, quand tu regardes Palia, bah, c'est pas si différent que ça de Pal hein, C'est même le <laughs> la même base, on va dire. Euh, c'est juste que dans Pal World, tu as des Pokémon à chasser, de ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu. Mais c'est juste ça, moi, qui ne m'intéresse pas. Le reste, niveau décor, niveau ambiance, niveau type de jeu, euh, si j'aime Palia, je suis censé aimer euh, Pal World. Quoi. Les petites caisses tu les ouvres pas si si je le ferai à la fin t'inquiète les pokémon humains c'est quoi pal -World salut tout le monde salut clem ça marche taf bonne soirée ciao ciao donc j'ai cette caisse là très bien euh... je vais voir ce que j'ai d'autres comme caisse là on va prendre le katana voilà voilà Un, deux trois 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tac. L'univers, les graphismes, le son du jeu, du tout optimisé. Le craft trop long, faut aimer, c'est pas mon style de jeu. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Et eh bah ben, bonne app Fifou. Merci. A plus. Ah bah ben, j'ai la caisse où on va pouvoir éventuellement sortir. Une transmission ce serait formidable je n'ai pas beaucoup d'espoir mais ce serait merveilleux qu'on puisse avoir euh... ok donc là j'ai les trois charognes ou au moins deux en tout cas qui vont me sauter dessus Vous voyez on les voit déjà ici là elles, elles m'attendent donc je vais me mettre comme ça voilà et en espérant que normalement il y aura le dardeur avec de hein, toute façon pas de choix oui il est là aussi Donc là ben, je fais le tour ici. Hein. Voilà. Ils arrivent toujours, vous voyez, à être un petit peu bloqués par les obstacles. Du coup, je peux les tuer sans trop trop de difficulté. Le dardeur il peut pas me toucher. Et après, ben voilà, ça me permet de. De les troll, quoi. Hop. Voilà. Ah, je voyais un truc arriver, je me demandais ce que c'était. Alors, des bisous mon Froba, bisous bisous. NB, il n'y a pas que l'arène qui donne des packs de force spéciales, mais le problème c'est que c'est soit l'événement Tente ta chance ou Ruée vers l'or. Ah oui, c'est vrai, oui. Qui sont des événements bien mais demandent un peu trop. Bah ouais, <laughs> clairement. Clairement, bah Ruée vers l'or, déjà, il faut, faut péter des, des pièces. Et puis Tente ta chance, il euh, faut 15, 14, 15 000 jetons, je crois, pour arriver au bout du truc. C'est le seul youtubeur que je connais qui était administrateur et qui a été viré par Kifir. Qui ça? Est-ce que tu sais où trouver le guidon pour la moto? Car il me manque que ça. Et eh bah ben, tu les auras Toto soit à la ferme, soit au bunker Peut-être en live, tu auras plus de chances pour avoir une transmission. Ouais, j'aimerais bien. Rebombeur Ça fait 40 ans que j'essaie de trouver une maison. Une maison me satisfait? Salut Pingouin des Lacs. Euh, bah bon courage. J'espère qu'un jour tu la trouveras. J'ai testé le SS2 lors du dernier event Bunker B avec les AK. Au boss, j'étais à 150 de rythme cardiaque. Et alors, tu l'as eu quand même Juste un truc pour les attaques de pilleurs sur notre base. Sachez qu'en plantant des arbres devant vos murs, ça les empêche de les péter. Donc même avec des murs T3, on peut être protégé. Ouais, sauf que... Que tu es limité à 20 euh, arbres. Sorte d'arbres. Ouais, tu peux en mettre pas mal hein, quand même. Tu joues sur quoi Je joue sur tablette. Salut Choupaille. Fin. Salut Fine. Je joue sur tablette. Tu veux le modèle Donc là, on est OK. Il me reste une charogne à tuer là-bas. Et après, on aura fini avec euh, cette partie-là. Du, de la plateforme et donc on aura vu la plateforme dans son intégralité ainsi que le bunker B allez il meurt voilà on check ce coffre Benichou ah oui bah il n'a pas été viré enfin oui si oui non et puis il n'était pas administrateur il était partenaire pas pareil que la force du sodaft avec toi. Ça me rend fou que ça fait six jours que je fais que la ferme et il n'y a que des pièces de moteur, des fois des réservoirs, mais pas de roues je parie, pas de fourche. T'inquiète moi aussi je galère. Ouais, on est, enfin je dis on. J'ai heureusement jamais été concerné, mais il y a beaucoup de joueurs qui sont en galère quand il s'agit de trouver le dernier item pour le pour le chopper, Ouais. Le côté random, des fois, euh, peut être très curieux euh, dans la SDEI. On est limitant nombre d'arbres, oui. En mettant le max d'arbres et, et en complétant avec la déco, ça fait le taf. Et on peut continuer euh, le, à mettre du T4 tranquillement. Ouais, ouais, mais ça se tient, hein, ce que tu dis, Clem. Ça se tient, hein, clairement. Salut, Hult6. Comment tu vas Je suis désolé si j'ai raté des coucous. Noah, transmission. Putain, j'espère. J'espère, une troisième transmission. Il m'en manquerait plus que sept. <laughs> plus que sept. Une par an, dans sept ans, c'est bon, j'ai la TV. Ouais, ça va, impeccable, impeccable. On est sur la fin du, euh, du stream, là, tu vois, tu arrives un peu sur la fin parce que j'ai fait déjà le bunker B, et puis là, on vient de se taper la plateforme dans la totalité. Il me reste juste une petite partie à aller faire à la plateforme. Pour l'instant, je check les coffres qui sont de ce côté, mais je vais de ce pas aller me diriger de l'autre côté, du côté de la terrasse. Et euh, faut que je vous avoue un truc, cette terrasse, alors autant les dardeurs, j'arrive à les gérer. Autant en bas, bah depuis, depuis quelques sessions, j'ai beaucoup de mal. <laughs> je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal avec les zombies qui sont dans la petite pièce. Où est-ce que je vais Ah oui, c'est là. Et ouais, je ne sais pas pourquoi. Il y a aussi les barricades, quand tu les doubles, ça fonctionne aussi. Tu peux en mettre plus en même temps. Ok. Il y a un décalage de 30 secondes. Non, mais t'inquiète, pas de souci. Après, fais un refresh si t'as trop, trop, trop de décalage. Mais qu'il y ait un décalage, c'est normal. Il y en a de mon côté aussi, hein, du coup. Le chopper, c'est assez simple et rapide à craft, je trouve. Ouais, mais on est d'accord. Moi, je l'ai eu en 11 jours sur la seconde partie. Donc, euh, ça peut être super rapide. Ah, ça a dû planter. Voilà. Ça a planté l'OBS, il s'est encore déconnecté. C'est dingue ça. Je vous ai retrouvé Ouais, apparemment. La banlieue est arrivée. Alors, elle est arrivée, mais elle n'est pas, pas accessible. Tu peux débloquer la zone avec le drone, mais le fait de débloquer la zone ne va pas la rendre accessible. Attention, c'est deux choses différentes. Ouais, j'ai mon OBS qui a. Qui, qui, qui Je ne sais pas ce qu'il fout là. Il s'est relancé à un moment donné, encore une fois. Il y a peut-être des chutes de. De, de débit ce qui fait que l'obs se met en pls pendant le, le temps de recharger je sais pas trop je sais pas mais bon je vous ai pas perdu apparemment donc euh, tout va bien allez petit rouage là on va se faire euh, ça au tuyau comme ça allez viens là hop 1 2 3 1 2 3 Aucune idée de quand est-ce qu'on pourra aller euh, à, la, à la banlieue quand ils auront décidé de l'ouvrir, hein, tout simplement. Pas de nouvelles, non, euh, by Luxon. Je suis désolé, j'ai aucune info en ce moment sur quoi que ce soit. De toute façon, euh, et la banlieue pour l'instant ça reste un grand mystère. Qu'est-ce qu'il va y avoir, à quoi ça va servir, personne ne sait, personne ne sait. Ils ont remis l'établi pour ranger les petites pièces, ce serait bien qu'ils remettent l'établi où on peut ranger les, dé les décorations. Ouais, clairement, ouais, ce serait pas mal. Tu fais toujours des visites de base d'abonnés. Ouais, ça m'arrive, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, fine. Fine ou fin Ça se prononce comment? J'ai repris le jeu jeudi dernier. Ah oui, c'est tout récent. Donc ça fait bientôt une semaine et je foule femme pour la chopper. Allez, bonne chance. L'rng c'est quand tu en as besoin, c'est introuvable. Mais c'est ça, hein, c'est marrant, hein. c'est souvent le cas sur euh, sur euh, sur l'SDI. Quand tu n'en as pas besoin, tu reloutes à chaque fois. Ouais. La banlieue en fait c'est une zone. Euh, bon là je ne pas l'ai pas débloqué sur cette partie encore, mais que tu débloques plus tard avec le drone. C'est une zone qui, qui pop, mais elle pop un peu comme tu as euh, le bunker C par exemple ou la plateforme pétrolière. Tu vois sur la map, c'est le même genre de zone quoi qui va arriver, mais on ne sait pas quoi ça sert. Est-ce que tu as galéré pour le chopper Pas sur cette partie. Sur la première partie, la partie principale. Euh, donc là, je te parle, c'était il y a maintenant pas loin de 8 ans où effectivement j'ai galéré. Mais attention, parce que les recettes étaient différentes et surtout le réservoir était l'item rare par excellence à l'époque. Donc euh, voilà, euh, j'avais galéré effectivement pour l'avoir. Mais sinon, euh, non, sur cette seconde partie, non, je l'ai eu en 11 jours. Je sais pas ce que tu écris fin, depuis tout à l'heure, mais euh, c'est régulièrement supprimé. Fais gaffe, au bout d'un moment, le bot, il va, te... <laughs> il va te virer. Je suis tellement hype avec tous ces mystères autour de la banlieue. Ouais, clairement. Alors, attendez, je vais avancer un petit peu. Je vous lirai après. Moi. Ouais. Allez, venez là, plutôt. Hop, et d'un. Et de deux. Alors, eux, vous n'êtes pas obligé de les tuer. Vous désactivez l'électricité d'abord. Ici. Voilà. Vous vous barrez. Alors, je vais quand même l'ouvrir, lui. Voilà, pour le tuer aussi. J'en profite. Hein, on fait d'une pierre deux coups. Je ne sais plus si j'ai du katana. J'ai une machette. Je vais pouvoir prendre la machette. Tac. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Bah ouais, j'espère aussi que ça nous fasse des trucs à faire, quoi. Le problème de Kéfir, c'est au goutte à goutte. Faut pas être pressé ni impatient. Ah oui. Ça. C'est le moins qu'on puisse dire. Après, euh, faut pas être, on ne va pas être mauvaise langue non plus, parce que j'en je fais, fais partie. Hein, euh, des gens impatients, euh, je suis le premier à être impatient. Hein, quand j'aime un jeu, bah, j'aime que ça bouge. C'est normal. Euh, on a quand même eu quelques trucs sympas. La plateforme, là, elle est arrivée récemment. Voilà, le drone qui est arrivé récemment aussi. Euh... J'ai beau chercher, je vois. pas pas forcément d'autres trucs récents mais euh, parce que j'ai une mémoire de merde mais non non on a quand même eu des trucs sympas dernièrement on a de quoi faire mais bon c'est pas assez quoi on en veut plus kefir on en veut plus comment on fait pour avoir le drone alors faut avancer déjà dans la colonie et arrivera un moment où euh, un des gars va te demander je vais faire le tour de l'autre côté du coup. Un des gars va te demander d'aller à la tour de guet de l'est pour euh, réparer un truc et puis il les... faut suivre l'histoire en fait. Il faut suivre le... Le... le chemin de survie et au bout d'un moment il va te demander d'aller de... chercher euh, le... le plan du drone qui se situera à l'entrée de la plateforme où je suis actuellement devant le portail. Tu auras un drone cassé qui te permettra justement du coup de le réparer ou de le fabriquer selon euh, comment tu vois le truc. Et une fois que tu auras cette recette, il faudra aller au laboratoire. Oh là là, comment ça met bien quand même! Il faudra aller au laboratoire pour récupérer, euh, pour récupérer les contrôleurs de vol. Voilà, le reste, j'ai déjà ramassé. Hein. Donc, eux, ils sont là déjà. Ouais! Allez! Et c'est ouais, surtout les contrôleurs de vol euh, qu'il va falloir aller chercher au laboratoire en tuant le boss du A2 et le boss du B2. Il y a 10 contrôleurs à avoir et tu peux avoir maximum, puisque si tu fais le mode normal plus le mode hard, tu peux avoir maximum 4, euh, 4 contrôleurs par session. Voilà, voilà. C'est ce qu'il y a le plus long, on va dire, dans le contrôleur. Après, en soi, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste avancer dans le, dans le chemin de survie. Euh, le live live va durer encore 5 minutes max. Je vais faire vite fait un aller-retour à la base pour poser euh, du truc et me faire la place dans mon sac à dos. J'enlève la cam. Et puis bah, ce sera tout bon hein, pour aujourd'hui. Ça fait déjà. Ça fait combien de temps là qu'on est en live Je sais pas. Voyons. Ah, ça fait deux heures. Hein. Deux heures La vache Oui tu gardes tes bidons, et euh... Alors moi c'est la technique que j'utilise, c'est pas une technique, c'est pas une astuce non plus, c'est ma façon de faire. Tous les bidons que je trouve, je les garde. Bisous Andarta, bonne soirée à toi aussi, merci d'être passé. Merci d'être venu <laughs> Donc tu gardes tous les bidons d'essence, et tu vas me dire, ouais mais comment il dépense de l'essence avec sa moto du coup ben, J'évite déjà de dépenser de l'essence avec ma moto, j'y vais toujours en courant plutôt qu'en Qu conduisant. Maintenant, si j'ai pas de choix, bah, j'utilise en fait l'essence que j'ai siphonné aux autres motards à qui j'ai siphonné de l'essence, notamment dans les event shoppers. voilà. Et souvent, très 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 souvent, ça va me suffire et du coup, c'est ce qui me permet de. Je dis très souvent, pas tout le temps, hein, attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Très souvent, ça me suffit et ça me permet justement donc d'économiser les bidons d'essence. Et vraiment, si j'ai besoin de bidons d'essence, du coup, je peux en utiliser un petit peu et mais bon, c'est pas, c'est pas très souvent parce qu'aujourd'hui, avec l'énergie plus le guérisseur qui te remet l'énergie à fond, c'est. Faut être un rat dans ces terres. L'essence coûte cher, mais clairement, mais grave. Au revoir. Salut, fin. Ça remonte à trop longtemps, je me rappelle plus, amigo. Deux. On débloque, on la débloque après avoir fait la chopeur De quoi que je vous ai perdu d'un coup là? Alors, on va poser ça comme ça. Ça, ok. Ça, allez, on va mettre des armes. Hein. Voilà, ça façon, Steph n'est pas là donc il pourra pas m'engueuler. Si elle est cachée, qu'elle me voit ou qu'elle m'entend, elle va me démolir. Là, je ne vais pas oublier le petit badge quand même. Je vais poser ça. Salut Acteurus, comment tu vas Renko Bokara, tu en, en as en masse de l'essence. Alors, en masse ouais, Peut-être pas en masse, mais tu en as pas mal, oui. T'en en as quand même pas mal. Je crois que t'as pas ouvert la caisse où il y avait le mineur. Ah oui la caisse éco, t'as raison, absolument, merci. J'ai pas ouvert la caisse éco. Alors là où il y a le mineur, il n'y a pas de caisse. Hein. Putain. Là, là non. Là, ok. Je vais poser, je vais poser ça. C'est pareil, j'ai pas scanné les trois les trois caisses encore. Hein. là non. oh putain j'ai plus de place là 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 voilà allez hop on est bien faut que je mange hop parfait tu vois, là, tout ce que j'ai fait depuis tout à l'heure, les allers-retours au bunker B, à la plateforme, etc., je l'ai fait en courant. Je l'ai fait en courant. Tu seras perdu au bout d'un moment. Ah, mais c'est sûr, Flouki. Hein. J'ai la... trop l'habitude de jamais ranger mes coffres et c'est une très mauvaise habitude. Vous voulez savoir à quel moment du jeu on débloquait la colonie Ah, oui, d'accord, d'accord. Je suis toujours là. Ok, Noah. <laughs> Coucou. Il n'a pas rangé mes yeux. Ah oui, oh bah ça va. As ravi d'avoir participé à ce live. Merci Froba pour tes réponses. Je vous laisse, j'ai une petite fille d'un mois à m'occuper. Oh bah, des gros bisous à ta petite fille. Et puis merci à toi d'avoir passé un peu de temps avec nous. Bonne soirée Nicolas. Ciao, ciao. Il me manque plus que 4 pièces d'usine pour le mode obturateur élite du Glock. J'espère que ça vaut le coup. Euh... Ah bah oui, l'obturateur élite, c'est l'un des meilleurs modes pour le Glock. Donc euh, oui, clairement, ça vaut le coup. Oui. Moi, je range tout correctement, mais tu as bien raison. Je te promets que tu as bien raison. Après, euh, des fois, ça me fait rire et bah, plaisir peut-être pas, mais ça me fait... Ouais, si, ça m'occupe d'aller de... ranger un petit peu là-bas. Ça me permet de... de réorganiser mes coffres aussi. Euh... J'essaie de trouver un point positif à mon bordel. Hein. Il n'y en a pas forcément, mais... Ouais, ah, bah tu vois, j'ai plus d'énergie là. Donc là, j'ai plus d'énergie. Du coup, j'ai commencé à y aller. Comment Je sais pas. Euh... Courir, Allez. Pub, allez, on se fait une pub. J'ai un coffre à dépôt rapide. Ouais, j'en avais un aussi, pire ailleurs sur l'autre partie. Et le pire, tu sais, c'est que là j'en ai deux dehors. Hein, et j'ai pas de raid en cours, j'ai pas de menace en cours, donc je pourrais très bien les utiliser, ils sont vides. <laughs> non, c'est juste que je suis un boulet, c'est tout. Mais bon, on va pas me changer aujourd'hui hein. Toujours été comme ça. On n'est pas une pub prête Je suis désolé. Voilà pour le coup celle-ci c'est la pub in game, hein, c'est pas, la... pas celle du stream. Hein. Pas... Euh, celle-ci elle est voulue. Les autres sont pas voulues. Les plaques d'acier Bah ouais, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, ça va être le but, ouais. Euh, tête sénat... Je ne sais plus si je t'ai dit bonjour, salut à toi. Ben, des conseils, euh... ouais, il y a plein de conseils à t'apporter sur le laboratoire. Le plus simple, parce que tout dépend de ce dont vraiment tu as besoin euh, comme conseil, le plus simple c'est d'aller voir des vidéos sur YouTube. Moi j'en ai fait pas mal déjà, donc euh... Euh, des tutos, etc. J'en ai fait quelques-uns aussi. Je pense que c'est le... la réponse la plus rapide et la plus simple à t'apporter. Parce que sinon on pourrait passer une demi-heure à t'expliquer comment le labo fonctionne, mais bon. Malheureusement, on n'a pas le temps. Tu peux la quitter, la pub Ouais, je pouvais la quitter, là, c'est vrai. On va la voir jusqu'à la fin. Non, non, des fois, tu peux l'anticiper avant. Tu peux, le, tu peux la, la fermer un petit peu avant. Je ne sais pas comment ça fonctionne, leur pub, mais il y a certaines pubs que tu peux arrêter avant la fin. Et là, on parle des pubs du jeu, hein. Je t'en prie Ted, je t'en prie. Allez, allons finir cette plateforme là gentiment. Ah merde, la cam, euh, elle est là. <laughs> Qu'est-ce qu'il a Dragonov Il mord de rire. <rire> c'est quoi C'est mes coffres en bordel qui te font rire, c'est ça Ou c'est parce que Steph elle est là et puis du coup euh, je l'ai zappé. Alors ici on a une sacrée caisse à ouvrir. Hein. Et c'est vrai que j'ai pas ouvert l'autre conteneur là-bas au bout. ça, Une batterie De la poudre qui sert à rien Un fendoir, du verre Bon le reste, j'en ai pas besoin. Et j'ai la troisième. Euh, le troisième conteneur là, je l'avais pas ouvert lui. Et non, je l'avais oublié. J'ai qu'une machette, alors j'espère que ça va pas... Vous imaginez un deuxième boucher, là. Allez, hop. Il a rien. Super. Ah, si. Merde. J'ai obtenu quoi Ils me mettent pas bien, là. Soin auto. J'ai pensé au soin auto. J'ai gagné quoi Une bouteille d'essence, mais ouais, ça valait le coup, hein. Après avoir tiré et découpé du zombie. Ouais, c'est pour ça j'essaie de, de soulager le truc, quoi. J'avais pas tué lui non plus. Mais. Non, mais attendez, ils sortent d'où eux hein Ils avaient tué déjà Ils viennent d'où eux hein Ils popent d'où Je sais plus. Ah si je les avais tués pourtant salut Kobe. l'accueil est chaleureux ils sont sortis d'où ces deux zombies là ils me laisse perplexe les gars ils auraient pas dû revenir hein on est d'accord il n'y a pas un truc à aller voir sur le bateau au nord non 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 il a rien bah il y a euh, non il y a une note mais elle sert de, ça sert à rien ça sert à rien de checker la note alors la dernière caisse tac bon ben bah, je vais pas l'ouvrir celle-ci je vais essayer d'avoir la transmission et là je peux vous assurer que si j'ai la transmission un miracle aurait lieu en direct et ce serait merveilleux mais non je dois avoir une chance sur euh, j'en sais rien en fait hein, peut-être une chance sur un million <laughs> d'avoir cette transmission. Il est là. On y croit Moi je suis niveau 52 ou 51 52 de quoi, Kobe Donc on va ouvrir celle-ci. Je pourrais ouvrir le Comico, mais c'est pas forcément. Attention, hein, c'est une superbe caisse, celle du Comico. On peut avoir du badge violet, on peut avoir de l'arme, on peut avoir même voyez de la Kevlar. Donc c'est plutôt cool, de la fibre aussi de carbone. Mais voilà, moi, ce que je vise, c'est ça. Donc on y va. Je vais manger. Ça marche. Bonne soirée, pingouin. Let's go. Here we go. Je vais poser des trucs. Ouais, je maintiens le suspense. Ah merde, j'ai oublié la moto Bon, mais... oh, j'ai oublié la moto. <laughs> Désolé. Avec un tout petit peu de retard. Bonne année Mais oui, bonne année, Buri. Le 5% de chance Non mais il n'y a même pas 5% de chance. Je suis sûr qu'il y a... Bah, je suis sûr qu'il n'y a même pas 5%. S'il y a 1%, c'est le bout du monde. Voilà. Mais non Tout ça pour ça. Bon là, pour le coup, c'est vraiment pas une bonne idée, hein, ces caisses. Faut pas le faire. Hein. Enfin, faut pas le faire. Moi, je le fais parce que je veux la transmission. Donc si vous voulez absolument la transmission, bah, tentez votre chance, mais. Euh... Mais non, quoi. <laughs> faut pas mettre des caisses comme ça. Heureusement qu'il y a le reste, hein. Heureusement qu'il y a les autres loots à côté. Parce que franchement, euh, juste ça, ça fait mal. Hein. Sinon, il y a la caisse de colonie, évidemment, qui vaut largement le coup. Et surtout, tu n'as plus d'énergie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais vu qu'elle n'avait pas d'essence, elle n'est pas venue avec moi. Ouais, c'est vrai, ça doit être ça aussi. Ouais. Allez, hop, ben voilà. C'est tout bon. On a fait la plateforme. On a fait le bunker B. On s'est bien amusé. Je vais retourner sur la map. Ça m'a fait bien plaisir de vous retrouver à nouveau encore pour un petit live. Il y en aura d'autres, hein, des petits lives. Y aura d'autres. C'est à quel niveau qu'on a la colonie C'est à quel niveau qu'on a la colonie Je ne sais plus. Qui c'est qui a répondu à cette question tout à l'heure Salut, El Necros. Euh, je, je, je ne sais plus, Kobe, à quel niveau on a la colonie. Allez, je lance une petite marche pour entrer tranquillement en off à la base. Voilà. Ça va être tout bon. Pour le live de ce soir donc euh, bah déjà merci à vous d'avoir été aussi nombreux on va se retrouver très rapidement alors pareil euh, c'est euh, je le dis je le maintiens je joue actuellement beaucoup 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 moins à last day parce que euh, pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos je suis également sur palia donc un, un jeu que je joue sur pc et j'y passe pas mal de temps en ce moment euh, beaucoup plus de temps que sur last day hein, clairement je vais pas vous mentir mais ça ne veut pas dire non plus que j'ai abandonné Last Day, la preuve, je continue à y jouer quand même, beaucoup moins, mais je continue à y jouer et je continuerai aussi à faire des vidéos. Voilà, et donc ce sera toujours un plaisir d'en faire. Donc euh, c'est pour ça que bah, pour le stream de ce soir, je suis bien content de l'avoir partagé avec vous. Et dans tous les cas, bon, on va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos et euh, d'autres streams. Et je ferai aussi probablement des lives sur Palia. Ouais, clairement, j'en ferai aussi. Allez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous et puis à très 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 bientôt. Ciao Faut que j'éteigne maintenant. Ciao